أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناكم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شالوم شالوم.
Toutes les louanges appartiennent à Allah, l'unique sans associé, le Seigneur des mondes, le Seigneur du monde visible, tout comme du monde invisible. Il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Nous le louons, nous le célébrons et nous le magnifions, et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité qui mérite d'être adorée. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur le même pieur de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna, et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page officielle du collectif DDR du Bénin. Inch'Allah, avec la permission d'Allah, je passe d'abord un salam à tous les musulmans qui nous suivent et ensuite un grand shalom à tous les chrétiens qui nous suivent à travers le monde entier. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous, Inch'Allah. Donc, vous êtes là, nous sommes là ce soir avec la permission d'Allah pour débattre sur la thématique de savoir entre la Bible et le Coran, lequel de ces livres a été confirmé par les miracles scientifiques. Lequel de ces livres nous présente un miracle scientifique et que la science est venue confirmer qui était déjà dit précédemment dans les livres. Est-ce que c'est dans le Coran qu'on retrouve des faits que la science contemporaine est venue confirmer, ou bien c'est dans la Bible on retrouve des faits ou bien des versets que la science contemporaine est venue confirmer. Donc, et par rapport à ceci, par rapport à ce thème, il y a le frère Aliou de la DDR Gabon qui est avec nous, qui va débattre, Inch'Allah, face au pasteur le roi depuis sa position de l'Afrique du Sud. Donc, ça serait le thème, c'est affiché à l'écran, vous le lisez. Et les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran. Donc voilà comment ça va se passer. On va d'abord commencer avec une introduction de 5 minutes de part et d'autre. Le frère Leroy va commencer son introduction 5 minutes. Ensuite, le frère Ali vous prendra. Et nous allons faire dans le développement 2 fois 10 minutes. Donc chacun aura 10 minutes. D'abord, le frère Leroy commence ses 10 minutes. Ensuite, le frère Ali vous prend. Il reprend encore 10 minutes et le frère Ali nous prend 10 minutes. Et ensuite, nous allons entrer dans le end-one, le corps à corps, le face-to-face, qui va durer 20 minutes. Ensuite, nous allons faire une conclusion de 5 minutes de part et d'autre avec la permission d'Allah. Donc, comme le décor sera ainsi planté, donc directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je laisse le frère Leroy introduire avec ces 5 minutes. C'est parti. Vous avez 5 minutes, cher frère Leroy. Je mets mon chrono en marche. Voilà, il est 17h02 à ma montre, donc vous arrêtez à 17h07. Allez-y, vous avez 5 minutes, 10 minutes. Shalom, shalom, que le Seigneur puisse vous bénir tous. Comme le thème est lancé sur les miracles scientifiques, sur la science, par rapport à la Bible, au Coran, nous disons, dans ce que nous sommes en train de dire, je veux que vous puissiez projeter mon écran. On va montrer ce que nous dit la Bible. Nous allons voir dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens au chapitre 2. Nous allons lire ceci. Au verset 2, on dit ceci. Colossiens 2, 2. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. » Le mystère de Dieu, à savoir Christ. Christ, c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, lorsqu'on parle de la science et la sagesse, tout le mystère, ça se trouve en Christ. Donc, pour nous, tout ce que nous appelons, tout ce que la science vient de couvrir après, tout est parti de Christ. Donc, Christ, lui, il est au-dessus même de la science. Les scientifiques, eux, ils recherchent dans Christ. Tous les miracles, tout ce qu'ils font, les découvertes qu'ils sont en train de faire, tout cela se trouve en Christ. Donc, Christ, il est lui-même le Dieu de la science. Il est plus que la science. Nous, on ne peut pas se fier à ce que disent les scientifiques. Non, non, mais c'est les scientifiques qui viennent se ressourcer chez nous. Nous, nous sommes au-dessus de la science. Et pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Prenons par exemple, il y a un verset que je vais projeter dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Job au chapitre 26. On va partir Job au chapitre 26. On va voir ce qu'on nous dit au verset 7. Au verset 7, on dit ceci.
Il dit, Job, verset 6, Job 26 au verset 7, on dit, il étend le septentrion sur le vide. On montre comment est-ce que Dieu a créé la terre. Il dit qu'il a étendu le septentrion sur le vide. Hein? Et puis, il suspend la terre sur le néant. La terre est suspendue dans le néant. Puisque ça, ce sont des mystères que les scientifiques ont découverts par après. On avait vu avant, il y avait de grands savants qui faisaient des recherches pour savoir comment est-ce que le monde a été créé. Il y a eu de grands savants qui ont vécu. On a entendu parler de Galilée, de Copernic, il y a eu des Euclides, il y a eu beaucoup de scientifiques qui recherchaient, mais ils ne savaient pas comment la Terre a été créée. Mais Job, lui, à cette époque-là, Job qui fut un prophète qui était chinois, Job, c'était un Chinois, il n'était pas juif, mais c'était un Chinois. Lui, à son époque, là, lui disait que la terre était suspendue sur un vide. Et c'est écrit ici dans Job, au chapitre 26, verset 7. Mais il a fallu des millénaires que les scientifiques puissent venir découvrir ça. Mais comment est-ce que Job, lui, savait ça? C'est puisque la science, donc le Christ, lui, va au-delà de la science. Puisque la science vient du Christ. On voit par exemple, dans le même chapitre, on voit, il dit ceci, il renferme les eaux dans des nuages et les nuages n'éclatent pas sur leur poids. Voyez-vous un peu ça? Là, ce sont des miracles que nous voyons. Les scientifiques ont voulu étudier comment se faisaient l'évaporation, d'où venait la pluie, les nuages, tout ça. Maintenant, Job, lui, à cette époque-là, qui était prophète chinois, à son époque, lorsqu'il n'y avait même pas de météo, la science de la météorologie, mais lui connaissait ça. Comment est-ce qu'il savait ça? Ça, ce sont les miracles qui vont au-delà de la science. La science. Le roi, votre temps est fini. Ok, ça va. Voilà, vous avez plus de vos 5 minutes. Donc, voici, le frère, le roi vient d'introduire ces 5 minutes. Donc, nous allons donner la parole à notre frère Alidou de la DDR Gabon. Chers frères, vous avez 5 minutes pour votre introduction. Bismillah. Je remets le compteur à zéro. Voilà, je remets à zéro, donc je lance. Top, c'est parti. Frère, désactivez le micro. Activez votre micro. Activez le micro, frère Alidou. Activez votre micro. Ouais, je disais remettez l'écran. Il faut remettre l'écran comme il était. Voilà. Ok, d'accord. Donc je remets le compteur à zéro et je attends un peu. Je remets ça comme c'était. Voilà. C'est bon. Et le roi a fermé aussi votre micro. Le roi a fermé votre micro. C'est bon? Ok, donc je lance. C'est parti. Stop. C'est parti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les musulmans, où qu'ils soient, qui nous suivent en direct ou qui nous suivront après. Je vous passe le salam. Ici, avec tous les musulmans qui nous suivent, je dirais ceci, que nous ensemble, les musulmans, sur toute la planète, nous remercions jour et nuit Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Et nous attestons avec certitude et conviction qu'il n'y a point d'autre Dieu qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Et nous attestons également que le prophète Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abdul Muttalib, fils de Adnan, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim, est le serviteur et le messager d'Allah. Lorsque nous disons qu'il est le messager d'Allah, il s'agit ici du dernier prophète, comme Allah l'a clairement dit dans le Coran, chapitre 33, verset 40. Je passe ici le salam à tous les musulmans qui nous suivent et qui vont nous suivre. Le shalom aussi aux juifs s'ils sont parmi nous. Et le bonjour et bonsoir aux chrétiens. Nous remercions Allah qui a facilité cette rencontre pour un échange fraternel. Sachez que nous ne sommes pas des ennemis. Musulmans chrétiens, chrétiens musulmans, musulmans juifs, juifs chrétiens, chrétiens juifs, ne sont pas des ennemis. Allah a facilité cette rencontre pour qu'on puisse donner de la nourriture spirituelle à ceux qui nous suivent sur la page collective DDR Bénin. Ici, je suis votre frère Alidou, le représentant de la DDR au Gabon. Vous voyez un peu, je suis un peu fatigué, mais je vais prendre depuis le matin, je suis en plein débat, un débat qui a duré 3 heures de temps. Ici, nous voulons savoir entre la Bible et le Coran, comme le thème est affiché, entre la Bible et le Coran, entre ces deux livres-là, quel est le livre qui a prédit ou qui a parlé des choses scientifiques qui ont été découvertes
de nos jours, je vais dire depuis le 17e, 18e, 19e jusqu'au 21e siècle, entre ces deux livres-là, quel est le livre qui a parlé des miracles scientifiques aujourd'hui que les scientifiques ont découvert? Ici, moi, je ne vais pas aller loin. Voilà, parce que le Coran, il est tellement clair, sauf pour celui qui ne veut pas voir. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa bonté, dans son amour pour tous ceux qui suivent son messager Muhammad, Allah nous a fait un cadeau. Regardez le cadeau que Allah a fait dans le Coran. Nous allons parler des miracles scientifiques. Lorsque nous avons écouté le message d'Allah à travers Muhammad étant le dernier des prophètes, et nous avons cru, et nous avons suivi le prophète, Allah va nous dire ceci. Allah va parler des miracles que les gens vont découvrir. Mais Allah donne ce repos aux musulmans. C'est-à-dire, nous les musulmans, on va se reposer. C'est ceux qui n'ont pas cru à qui Allah va donner du travail. Allah va leur donner le travail comment? Parce que eux, tellement le Coran en a parlé de beaucoup de choses, comme ils ne croient pas, ils veulent aller faire des recherches, ils vont rentrer dans la science pour voir est-ce que ce que le Coran a dit, est-ce que c'est vrai. Et lorsqu'ils rentrent dans le Coran, tous les versets que le Coran donc parle, par exemple, la théorie du Big Bang, de l'embryologie, des montagnes, de l'océan, ils disent, bon, comme le Coran parlait du Big Bang, comment la Terre et tout ça étaient ensemble, ça s'est dispersé, nous, on va aller vérifier. Et lorsqu'ils arrivent, ils vérifient, ils trouvent exactement que ce que le Coran a dit est vrai. Donc, Allah a donné du travail aux mécréants et Allah nous a donné du repos. On trouve cela dans le Coran, chapitre 21, verset 30. Allah dit ceci, excusez-moi, je vais lire. Coran, chapitre 21, verset 30. Sourate les prophètes, verset 30. Écoutez très bien. Il dit, Allah a fait du cadeau aux musulmans. Allah dit ceci, A'ouz billahi minashaytan rajim, bismillahi rahman rahim. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants, ceux qui ont mécru, écoutez très bien, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Bien sûr qu'ils ont vu. Les scientifiques sont allés dans l'espace, ils ont découvert toutes ces choses, ils sont venus nous rapporter cela. Donc la science a découvert qu'en réalité, les cieux et la terre formaient une masse compacte, mashallah. Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau, toute chose vivante, ne croit donc-t-il pas? Donc, quand les scientifiques viennent nous dire qu'en réalité, la terre et les cieux, tout ça était ensemble et ça s'est dispersé, ils l'ont découvert à peine là, au 14e siècle, si je ne me trompe pas. Or, le prophète Mohammed en a parlé de ça au 7e siècle. Donc, ils sont en train de découvrir ce que le Coran avait parlé. Donc, je vais d'abord commencer par ceci d'abord, la séparation de la terre et des cieux. Donc, le Coran en a parlé, a été découvert par les scientifiques, Inch'Allah. Donc, il y a déjà conclu mes 5 minutes et puis on va continuer, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le frère Ali doit faire exactement 4 minutes 56 secondes 24 tests. D'accord? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, le décor est ainsi planté. Nous allons rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, le frère Leroy, vous aurez 10 minutes pour nous présenter exactement en quoi est-ce que la Bible est vraiment le reflet, ou bien la Bible vient, ou bien en quoi les miracles scientifiques viennent confirmer les versets bibliques. Quelles sont vos preuves? Il y a tellement de domaines dans la science, l'embryologie, la médecine, la linguistique. Il y a beaucoup, il y a l'océanographie et tout ça. Donc, essayez de nous montrer avec des versets à l'appui, des versets clairs qui prouvent que la Bible est vraiment un livre divin, parce que la Bible aurait prédit, aurait dit des choses que la science contemporaine est venue prouver. Et en même temps, de façon parallèle, vous devez aussi également montrer en quoi le Coran n'est pas véritablement la parole de l'Éternel Dieu, dans le sens que ça ne reflète pas les miracles scientifiques. Donc, utilisez les deux, la Bible et le Coran, pour soutenir votre thèse avec des versets clairs à l'appui. Donc, vous avez 10 minutes, je remets le chrono en marche. Je mets le compteur à zéro. Vous voyez, donc, il est 0-0. Je lance. Stop, c'est parti. Désactivez votre micro. Activez votre micro. Activez votre micro. Oh, voilà. Ok. Donc, remettez-moi. Oui, je remets. Donc, okay. Stop, c'est parti. Ok. Remettez mon écran, s'il vous plaît. Mon écran. Ah oui, comme on était dans le livre de Job, puisqu'il y a beaucoup de mystères là dans le livre de Job. On voit au verset 10, Job 26 au verset 10,
On parle de la rotondité de la terre. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Voyez-vous un peu ça? Pendant que les scientifiques se demandaient comment est-ce que la terre était faite, tout ça, maintenant, Job, lui, à son niveau, il y a beaucoup de versets là que je vais vous montrer. Donc, puisque c'est que les scientifiques étaient en train de rechercher, Job, lui, à son époque, il connaissait ça. Il connaissait tous ces miracles-là, avant que la science ne puisse venir intervenir. Si on part encore dans le livre de Job au chapitre 36, hein, nous sommes dans le livre de Job au chapitre 36, nous allons à son verset, à son verset 27. On dit ceci. Job au chapitre 36 au verset 26. On dit, il attire à lui les gouttes d'eau, il réduit en vapeur et forme la pluie. On parle de l'évaporation. Ça, c'est une science que les scientifiques ont découvert après. Mais Job, lui, qui a existé, même avant Moïse, lui connaissait ça. Donc, pour montrer que Dieu était en train de donner les mystères qui étaient cachés de tout le temps. Si on parle, par exemple, dans le livre de Psaume, nous sommes dans le livre de Psaume, on va au chapitre 8. Le livre de Psaume au chapitre 8, on va voir ceci. On parle de l'océanographie. C'est un mot que vous venez d'utiliser tout à l'heure. Il dit, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Donc, il y a même des routes dans la mer. L'océanographie. Dieu avait prévu tout ça. Hein? On va par exemple dans le livre de Ésaïe. Nous allons voir dans le livre de Ésaïe au chapitre 40. On va partir au Ésaïe au chapitre 40 pour montrer comment est-ce que Dieu parlait à ses anciens prophètes avant que la science ne puisse venir découvrir ça. Ésaïe 40 au verset 22. On dit que celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Cercle de la terre. Donc, il montre que la terre est d'une forme sphérique. La terre était donc d'une forme des cercles et il est au-dessus. Donc, il y a beaucoup de versets qui nous montrent tout ça. Tout ça, ce sont les miracles. Nous disons ceci, que la Bible, c'est Emmanuel, c'est un livre qui est au-dessus de la science. La science, eux, ils ne font que, ils veulent découvrir, ils veulent comprendre. Et maintenant, le frère a parlé du Big Bang. Mon frère, écoutez, il faut faire attention si tu parles du Coran, puisque vous dites le Big Bang. C'est un terme d'abord qui est païen. Les gens qui disent le Big Bang, il ne faut pas utiliser des termes, puisque tu as entendu quelque part, on t'a parlé du Big Bang. Toi aussi, tu commences à parler du Big Bang, et puis tu vas lui donner le Sourat 21 au verset 30, le Big Bang. Écoutez, mon frère, hein? La théorie du Big Bang, Sourat 21 au verset 30, tu dis que ça, c'est le Big Bang. Hein? Il dit, ceux qui ont mécru n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. C'est ce que vous avez dit. Hein? Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Non, le Big Bang n'a pas dit ça. Le Big Bang, c'est une théorie des scientifiques qui est en dehors, même du Coran. Ça ne représente pas la parole de Dieu. Dieu, lui, il crée ex nihilo. On dit ex nihilo, à partir du néant. Maintenant, ici, on dit qu'ils n'ont pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte. Donc, les cieux et la terre formaient une masse compacte. C'est quoi ça? Le Big Bang, la théorie du Big Bang, ça nous montre que le Big Bang se dit que tout est parti à partir d'une explosion. C'est ce que les scientifiques expliquent, mon frère. Il n'y a pas de Big Bang là-bas. Il ne faut pas utiliser des termes comme ça. Puisque si nous entrons dans l'islam, il n'y a pas de Big Bang. Et puis tu as dit que ensuite nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau toutes choses. Attention, mon frère. Donc, c'est comme si Dieu, tu dis que Dieu a fait de l'eau toutes choses vivantes. Non, ce n'est pas ça. Toute chose n'a pas été créée à partir de l'eau. C'est faux. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ce n'est pas ça. Je te donne un exemple. Vous, dans l'islam, on vous dit que
Les djinns ont été formés à partir du feu. Les anges ont été formés à partir de la lumière. Mais ici, vous dites, on a fait de tout, de l'eau, toutes choses vivantes. Maintenant, si toutes choses vivantes viennent de l'eau, comment expliquer les djinns? Les djinns viennent du feu. Alors, mon frère, il ne faut pas utiliser des termes païens comme le Big Bang, tout ça. Le Big Bang, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. On appelle ça une théorie. C'est la théorie. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est comme lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution. C'est une théorie. On est en train d'étudier. Le Big Bang, ça montre que l'homme n'a pas été créé par Dieu. Dans la théorie du Big Bang, on vous montre même l'évolution de l'homme. Comment est-ce que l'homme est venu à partir des bactéries? Et puis les bactéries, ça s'est transformé en tétard. Et puis il est devenu comme un animal. Et puis c'était un singe. Et puis il est devenu un homme. On parle de l'homme des Zinjanthropes, l'Australopithèque, toutes ces histoires-là. Et nous sommes évolués jusqu'à l'homme. C'est ça la théorie du Big Bang. Alors si tu souscris à ça, c'est dangereux pour l'islam. L'islam n'a pas enseigné ça. Muhammad lui-même n'a jamais dit le mot Big Bang. Même vos scientifiques, ils n'ont pas dit ça. Si je te demande de me donner même un seul prophète, même un seul savant de l'islam, les grands savants de l'islam, les Qurtubi, les Jalalayn, les Asqalani, Ibn Kathir, donnez-nous où est-ce qu'ils ont dit Big Bang. Ne suivez pas tous les gens qui vous suivent sur YouTube qui vous mentent. Ce sont des mensonges, mon frère. Le Big Bang, ce n'est pas biblique, ce n'est pas coranique, puisque ce verset ici te montre qu'il a formé tout à partir. Il a dit, les cieux et la terre formaient une masse compacte. Dans le Big Bang, on te dit, il y avait un vide, il y avait un néant, et puis il y a eu une explosion. Où est l'explosion ici? Faites attention, mon frère, à ce que tu dis. Nous disons que nous tenons sur la parole de Dieu, et comme je disais tout ceci, qu'en Christ Jésus, c'est là que se trouvent tous les mystères de la science, tous les mystères de la science et de la connaissance. Hein? De tout ce que nous disons, c'est en Christ, tout ce que nous sommes en train de dire. Nous n'inventons rien, nous croyons ce que nous dit la Bible, comme dans, si nous partons dans la Bible, dans le livre des Hébreux, Hébreux au chapitre 1, il y a un verset, vraiment un beau verset que j'ai toujours aimé. Hébreux au chapitre 1, on dit ceci. On dit ceci. Si nous partons au verset 1, on dit ceci. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Hein, et qu'il a établi, et aussi dit par lequel il a aussi créé le monde. Donc tout a été créé par Dieu. Et si nous partons dans le même livre des Hébreux, au chapitre 11, où nous allons voir ce que la Bible nous dit, ce que l'apôtre Paul nous a dit, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a demandé qui a écrit le livre des Hébreux. Là, c'est l'apôtre Paul qui a écrit, ça c'est un autre débat. Hein? Vous voyez. Hein? Et nous allons partir, par exemple, dans ce verset, où nous allons trouver que Dieu a tout créé par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole et il soutient toutes choses par sa parole. Nous, on ne croit pas dans la théorie de Big Bang. C'est une fausse théorie, mon frère. Il ne faut pas souscrire à ça. Hein? Si tu parles de ça, ok. J'avais sauté ce verset ici que j'étais en train de chercher. C'est dans Hébreux au chapitre 1. Au Hébreux au chapitre 1, on dit ceci, au verset 3, on dit que « Et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole. » Donc nous, croyons que tout a été créé par la parole de Dieu. Maintenant, les scientifiques, eux, ils commencent maintenant à chercher chez nous. Ils viennent se ressourcer chez nous. Ce n'est pas nous qui partons chez les scientifiques pour tenter de nous ressourcer chez eux. Si nous partons, par exemple, dans le livre de Psaume, Votre temps est fini. C'est bon? Ok, ça va. Ok, j'allais faire 10 minutes, 3 secondes. D'accord? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ok, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page officielle
du collectif DDR, un ensemble de jeunes qui appellent les non-musulmans à l'islam et qui fait le rappel également à ceux qui sont déjà musulmans. Donc, nous sommes en train de débattre avec nos frères chrétiens. Ici, il y a le frère Le Roi et ensuite le frère Alido de la DDR Gabon sur les thèmes « Les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran ». Donc, le frère Le Roi, il a essayé de donner des versets bibliques. Il a utilisé le livre de Job. Il a également utilisé les psaumes pour parler de l'océanographie, que c'est un fait qui a été révélé dans la Bible et que la science contemporaine est venue confirmer. Également, il a pris Isaïe 40, verset 22. Il a montré que la Terre avec une forme sphérique, parce qu'ils ont utilisé dans la Bible le cercle de la Terre. Donc, il montre que la Terre a vraiment une forme sphérique et que c'était déjà prédit dans la Bible. Il a également pris, Matthieu, il a également pris la sourate 21, verset 30, et il dit que cette sourate, il a reçu que le frère allait dire que cette sourate, mais que ce verset ne parle pas d'un miracle scientifique dans le sens de la théorie de la Big Bang. Il a même renié la théorie de la Big Bang. Il a dit que c'est une fausse théorie. Donc, chers frères, allez-vous, vous avez vos 10 minutes, apportez vos arguments, réfutations. Vous avez 10 minutes, top chrono, je remets le chrono en marche. 0-0, je lance. Et c'est, attends, je remets ton écran normalement, comme tu veux. Voilà. Voilà. Je remets ça normalement. C'est bon? Ouais, fermez vos micros, fermez vos micros. D'accord, ok, donc je lance et je ferme. Donc, frère, voilà, c'est bon. Donc, top, c'est parti. J'ai écouté mon frère en question. Je pense que le problème qui se pose ici, c'est un problème de français, au fait. C'est un problème de français. Et ce n'est pas étonnant, voilà, de voir un chrétien qui est en train de lire un verset. Et il ne prête pas attention à la congestion de coordination qui est ici. Parce que, lui, il parle de la théorie du Big Bang. Tu ne peux pas trouver ça dans le Coran. Ce sont les scientifiques qui ont expliqué ça, qui nous expliquent que la Terre et les cieux formaient une masse compacte et ça s'est séparé. Donc, ce sont eux qui ont appelé ça le Big Bang. Donc, il parle de la séparation, de l'explosion. Mais quand le verset dit, les mécréants n'ont-ils pas. Ceux qui ont mécru plutôt, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? C'est-à-dire, les scientifiques nous disent, qu'est-ce qu'ils sont arrivés dans les recherches, disent qu'en réalité, ça formait une seule, c'était ensemble. Après, ça s'est séparé. Ce sont eux qui ont appelé ça Big Bang. Allah n'a pas besoin d'appeler ça Big Bang. Allah lui parle, les gens vont aller découvrir et ils donnent un nom à ça. Maintenant, quand ils disent, est-ce qu'on a fait tout ça avec de l'eau? Écoutez très bien ce que le verset dit, je vais lire. Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Point d'interrogation. Allah pose la question. Est-ce qu'ils ont vu ou n'ont pas vu? Les scientifiques ont confirmé qu'en réalité, et ils ont vu ça. Qu'en réalité, ça formait une masse et après, ça c'est, il y a eu de l'explosion. C'est ce qu'ils ont appelé la théorie du Big Bang. Maintenant, quand le frère veut associer ce qu'Allah est en train de dire ici avec ce qu'il est en train de dire par la suite, Allah dit, nous avons séparé. Donc, Allah a séparé les cieux et la terre, il les a séparés. Là, il y a le « et » qui est là. Ça, c'est maintenant un autre sujet. Le fait lui confond, c'est qu'elle a fini de parler et la suite. Elle a dit ici « et ». Le « et » ici sépare les deux choses. « Et » fait de l'eau toutes choses vivantes. C'est-à-dire, dans l'eau, elle a créé beaucoup de choses. Je vais venir ici un peu pour expliquer un peu à mon frère qui ne comprend pas. Quand elle parle de l'eau ici, elle est en train de faire comprendre que même en dehors des cieux qui étaient ensemble là, je ne sais pas comment ils appellent les homologues ou quoi, parce qu'on fait des recherches concernant l'eau. Je vais venir. En fait, moi, j'ai l'impression que le frère n'est pas venu ici pour démontrer que la Bible a parlé des choses scientifiques, mais il est en train de prêcher. Il est en train de prêcher. Moi, je voulais voir quelqu'un qui allait me dire tel verset a dit ça, et les scientifiques ont confirmé ça, tel verset a dit ça. C'est ce que moi, je m'attendais à ça. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Donc, ici, ce sont les scientifiques qui nous disent que la Terre était ensemble, après ça, c'est séparé. Donc, quand ils ont jeté un coup d'œil dans le Coran, ils ont vu qu'Allah a parlé de ça. Ce sont les scientifiques qui nous ont maintenant apporté cette vérité-là, qu'en réalité, quand ils sont montés au ciel, ils ont vu qu'effectivement, c'était ensemble. Ça, c'est le premier point. Donc, les scientifiques ont confirmé ce qu'Allah a dit dans le Coran. Coran, chapitre 21, verset 30. Moi, je continue. Je ne vais pas suivre le frère dans ce qu'il cherche. On va maintenant rentrer dans l'embryologie. Allah dit ceci, Coran, chapitre 32. Écoutez très bien. Ce sont des choses, on ne peut pas trouver ça dans la Bible. S'il peut me sortir les versets qui sont dans le Coran là, qui me les sort et puis me prouve que les scientifiques ont comprimé ça. Il ne peut pas trouver ça. Il ne peut pas. Coran chapitre 32, à partir du verset 9. Écoutez très bien. À partir du verset 9, Allah dit ceci. Puis, je commence au verset 6. Au verset 6.
C'est lui, le connaisseur des mondes. Il s'agit de Allah, inconnu et invisible, le puissant, le miséricordieux, qui a fait tout ce qu'il a créé. C'est Allah qui a fait tout ce qu'il a créé. Oui, on sait qu'il a créé. Mais les scientifiques doivent découvrir ce qu'Allah a dit. La main dont il a créé là, les scientifiques doivent prouver ça. Ils doivent aller chercher pour voir ce que c'est vrai ou faux. C'est ce qui prouve que le livre a parlé des choses scientifiques. Il dit ceci. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Là, il s'agit d'Adam. Verset 8. Puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le spermatozoïde. Que nous dit le Coran? Coran chapitre 23, à partir du verset 12 à 14. Il a tiré la descendance d'Adam d'une goutte vile. Il a quitté d'abord. Je pense qu'on va l'attendre parce que il y a des choses que tu vas dire sûrement qu'il va vouloir revenir tout ça. Donc on attend qu'il revienne. J'ai arrêté le chrono. Il y a 4 minutes, 5 secondes. Donc on attend qu'il revienne. Je vais l'ajouter dans le studio et ensuite tu pourras reprendre ton intervention. Okay. Donc peut-être il a peut-être un souci. Il avait reçu un appel sûrement. Donc c'est un peu ça. Donc la DDR évolue quand même. Louange à Allah quand même. Donc nous sommes tous ensemble. Nous nous battons pour la même cause. Nous essayons de faire la promotion de l'islam. Nul ne sera de trop. Tout le monde est invité à participer. Chacun à sa manière pour faire évoluer la parole d'Allah. Avec nous ou sans nous, l'islam va évoluer. Seulement que Allah nous a choisi et c'est une grâce pour nous. Et nous sommes reconnaissants, Inch'Allah. Donc, nous faisons beaucoup de doigts pour nos pèlerins qui sont allés en pèlerinage. Ils sont allés accomplir le 5e pilier de l'islam. Qu'Allah les préserve, qu'Allah leur facilite les rites du Hajj, qu'Allah leur accorde un Hajj Mabrour et qu'ils soient vraiment satisfaits d'eux, Inch'Allah. Donc, nous allons attendre le frère en attendant qu'il vienne. Par rapport au programme de la DDR, du collectif DDR ici au Bénin, bientôt, avec la permission d'Allah, nous serons vers le nord du Bénin. Je crois que ça serait à Banikwara. Bientôt, il y a Banikwara. Il y a également Nati, la ville de Nati, avec qui nous sommes en train de négocier avec la permission d'Allah. Si tout va bien également là-bas, le représentant de la DDR à Banikwara, il vient de m'envoyer les numéros de ceux que je vais contacter pour définir les choses. Donc, à Nati également, on est en train de coordonner avec la permission d'Allah, si tout se passe bien, on serait également à Nati. Il y a également à Save également. On est en train de coordonner tout ça avec la permission d'Allah. Dès que c'est calé, confirmé, on va passer les informations et vous serez informés. Donc, nous venons de revenir d'une tournée de Cotonou, de l'autre côté de Cotonou. Nous sommes rentrés le dimanche, Inch'Allah, et Alhamdulillah. La tournée s'est très bien passée. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, financièrement, moralement, spirituellement. Nous les remercions. C'est Allah seul qui va vous récompenser. Vous l'avez fait, pas pour nous, mais vous l'avez fait parce que vous aimez Allah. Vous aimez son messager, vous aimez l'islam. Et c'est pour cela que vous nous avez soutenus, qu'Allah également vous soutienne. Parce qu'Allah a dit dans la sourate 47, au verset 7, Allah a dit, « Oh, vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos pas. » Donc, toute personne qui a mis 1 franc, 2 francs, 3 francs, 1 euro, 2 euros, 3 euros, 1 dollar, toute personne qui met son argent, sa fortune dans le sentier d'Allah pour faire triompher la cause d'Allah, ne vous inquiétez même pas. Allah vous fera triompher dans tout ce que vous allez entreprendre. Parce que la parole d'Allah, elle est véridique. Allah ne manque jamais à sa promesse. Allah ne manque jamais à son engagement. Sourate 2, verset 80, je crois bien. Donc, nous sommes fiers, vraiment, nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers pour le soutien que vous nous accordez. Qu'Allah également soit satisfait de nous tous et qu'il nous rassemble dans son paradis aux côtés de notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je sais pas pourquoi le frère ne vient pas, il a disparu, je sais pas. Ou bien, le frère Lidou, tu l'as fait tellement peur qu'il a disparu, je sais pas. On peut continuer l'émission. Bon, comme dans le monde scientifique, Pur, machallah.
Ok, bon, là, je vais pas, je vais pas, je vais toujours retenir ton chrono. Je ne vais pas ça en match. Peut-être si tu veux donner un peu l'enseignement en attendant qu'il vienne. Là, s'il vient, tu pourras également revenir sur ce que tu disais. Il n'y a pas de souci. La répétition, elle est pédagogique et le rappel est un enseignement de en islam. Donc, on peut rappeler, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux continuer ton intervention. On te suit. Okay. Donne-nous la nourriture spirituelle. Vas-y. Je coupe mon micro. Ouais. Ici, comme je disais, les chrétiens n'aiment pas débattre, en fait. Ils aiment prêcher. Même quand ils sont devant les gens qui ne sont pas chrétiens, ils veulent prêcher. Ils ne savent pas faire la différence entre débat et prêcher. C'est-à-dire qu'ils confondent tout. Ils sont dans la cacophonie, ils confondent tout. Job a dit, les cieux ont été créés. Oui, tout le monde le dit. Même un livre qui n'est pas saint même le dit. Quelqu'un peut écrire sur un papier que Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ça s'arrête là. Mais les détails de comment les cieux et la terre ont été créés, comment ils étaient pour qu'ils se séparent, il n'y a que le créateur seul qui peut le dire. Et le seul livre où le créateur a dit, c'est dans le Coran. Au fait, Allah lui parle d'une manière bref. Et puis Allah donne du travail aux mécréants. Allah lui donne le travail aux mécréants. Voilà pourquoi Allah dit, les mécréants n'ont-ils pas vu? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la plupart des scientifiques, comme vous le savez, ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans. Donc, quand il vient dans le Coran, il voit par exemple, Coran chapitre 21, verset 30, où Allah dit, les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Le Coran dit que les cieux et la terre forment une masse compacte. Nous, on va aller vérifier ça. Lorsqu'il part vérifier, il découvre qu'en réalité, c'est vrai. Les cieux et la terre forment une masse compacte. Et même, il vient confirmer ce que le Coran a dit. Voilà pourquoi j'ai dit qu'Allah a donné du travail aux mécréants. Donc, on est tranquille pour nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Excusez-moi. Le deuxième point, c'est que Allah nous parle ici dans le Coran, chapitre 23, à partir du verset 12, que je vais lire. Allah dit ceci. Nous avons fait créer l'homme d'un extrait d'argile, puis nous fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme un halak. Un halak, ici, comment on appelle ça dans la médecine? Ils appellent ça le sangsung. Le sangsung, il dit, c'est sous forme, c'est comme si c'était un caillou qui avait du sang. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont découvert ça avec l'échographie, avec la science moderne qui est arrivée. Maintenant, Allah dit, chose suspendue, caillou de sang, c'est comme un caillou de sang, c'est suspendu. Mais quand Mohammed parlait de tout ça, est-ce que Mohammed, il avait les appareils de l'échographie? Non. Est-ce que Mohammed était un gynécologue? Non. Voilà pourquoi j'ai mis ici les noms des grands docteurs qui disent que, je vais citer un peu les noms, excusez-moi, je vais citer un peu les noms ici. Il y a Alfred, il s'appelle comment? Alfred. Un grand scientifique. Écoutez ce qu'il dit par rapport. Excusez-moi, il trouve le passage. Il dit ceci. Il s'appelle Dr. Alfred Cromet, l'un des géologues les plus connus dans le monde. Il est professeur de géologie et chef du département de géologie à l'Institut des sciences géologiques à l'Université de Johannes Gutenberg Mainz en Allemagne. Il dit, en réfléchissant d'où Mohammed est venu, je pense qu'il est presque impossible qu'il ait pu connaître l'origine commune de l'univers. Car les savants ont découvert sa nature récemment, et ce, à l'aide de méthodes technologiques avancées et très compliquées. Ne pouvait pas, à mon avis, être en mesure de découvrir de son propre esprit, par exemple, que la terre et les cieux avaient la même origine. Donc, les scientifiques, qui ne sont même pas musulmans, ils disent comment Muhammad pouvait-il découvrir ces choses-là pendant qu'il n'était pas scientifique, n'avait pas fait la science, il n'avait pas les appareils technologiques pour monter au ciel pour regarder. Comment il a pu découvrir ces choses-là? C'est-à-dire, eux disent que ça dépasse l'entendement humain, en fait. Un humain ne peut pas découvrir ça. Un humain ne peut pas. Il a découvert ça comment? Et il confirme pour dire que ça, cette œuvre-là, ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un homme. Mais si la Bible avait déjà parlé de ça, si les prophètes avant Mohammed avaient parlé de ça, mais lui, il allait tirer ça là-bas. Mais pourquoi il précise ici que Mohammed, d'où Mohammed dit ça? Si c'était dit, il allait dire, mais d'où Jésus dit ça? Ou bien d'où Moïse dit ça? Parce qu'eux n'ont pas parlé de ça.
Il dit, d'où Mohammed a-t-il tiré ça? Donc, le frère Nathan ici, il va venir nous montrer dans la Bible qu'il doit parler de comment la terre était ensemble avec les cieux, comment ça s'est séparé. Je vous dis qu'à la fin de sa vie, il ne peut pas trouver cela. Maintenant, l'embryologie. Nous sommes ici dans l'embryologie. Elle a dit, il a créé Adam de l'argile. Aujourd'hui, la science nous démontre que le corps humain que vous voyez est composé de beaucoup de matières. Le corps humain est composé de beaucoup de matières. Et même ici, j'explique ça dans les livres. Je suis un peu loin de mes livres parce que je suis vraiment fatigué. Excusez-moi ceux qui nous suivent. J'ai fait un débat qui a duré plus de 3 heures de temps sur la divinité de Jésus. Il y avait au moins 6 personnes qui étaient là. Il n'y a qu'une personne qui a refusé, elle est partie. Les autres ont fini par comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Nous disons Alhamdulillah. Donc, quand Allah parle ici de l'embryologie, comment l'homme, l'être humain se développe dans le ventre, Allah en a parlé. Il a tiré la descendante d'Adam d'une goutte vide, le spermatozoïde. Maintenant, du sperme, Allah dit qu'il a fait de ça ce qu'on appelle le sanguin par les médecins. Mais Allah dit, Allah appelle ça le halak. Halak, c'est quoi? C'est comment le spermatozoïde va se transformer au fur et à mesure pour donner, pour former un être humain. Donc, tous ces détails, Allah a dit. Ah, pardonnez-moi. Ok, le frère. Ouais, vous pouvez fermer vos micros. On va continuer. Je m'excuse vraiment. Je demande pardon vraiment. La communication s'est coupée. Hein. Le routeur que j'utilisais, a coupé. Alors, j'ai dû changer un autre routeur. Je m'excuse vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Je m'excuse. Le frère Leroy. Ok, fermez vos micros. Moi, j'ai la parole. Ok, ça va. Voilà. Donc, tu étais à 4 minutes, 5 secondes. C'est là. Donc, je remets ça en marche et c'est parti. Bismillah. Merci. Comme on disait, la répétition, elle est pédagogique. Donc ici, quand Allah parle ici, les cieux et la terre formaient une masse. Et Allah dit, et nous les avons séparés. Qui est venu nous confirmer ça? Puis qui nous confirme qu'en réalité, ce que Allah a dit à Mohammed dans le Coran, c'est la vérité. Parce que quand ils sont allés au ciel, ils ont découvert qu'en réalité, les cieux et la terre formèrent en réalité une masse compacte. Et après, ça s'est séparé. Et c'est ce qu'ils ont appelé la théorie du Big Bang, en expliquant. Donc ça, c'est le premier miracle scientifique du Coran. Allah en a parlé à son prophète Mohammed au 7e siècle. Les gens ont découvert ça au 20e siècle. Le docteur Alfred ici nous dit, pourquoi n'a-t-il pas cité le nom d'aucun autre prophète à part Mohammed? Il dit, d'où Mohammed a tiré cela? Quelqu'un qui était dans le désert, qui n'avait pas les appareils nucléaires, qui n'a pas fait chimique, physique, c'est-à-dire il n'était pas un illettré qui ne connaissait rien. Comment as-tu découvert quelque chose qu'on découvre aujourd'hui au 20e siècle? Premier miracle scientifique du Coran. Découvert par qui? Par les mécréants. Qui sont qui? Des scientifiques. Voilà pourquoi Allah, lui, il parle avant que la chose n'arrive. Il dit, les mécréants n'ont-ils pas vu? Allah parle des mécréants pendant que les mécréants n'ont même pas encore découvert ça. Donc, Allah parle déjà avant même que la chose n'arrive. Donc, les mécréants vont découvrir ça. Donc, Allah commence à dire que c'est les mécréants qui vont découvrir. Et les mécréants ont découvert qu'en réalité, la terre, elle se forme même sur une masse compacte. Ça, c'est le premier miracle scientifique. Deuxième, le du Coran. Deuxième, on est dans le Coran, chapitre 23, à partir du verset 12. Allah dit qu'il a créé Adam de l'argile. Ensuite, il a tiré sa descendante d'une goville spermatozoïde. Et de cette spermatozoïde qui se trouve dans l'ovule de la femme, Allah dit, il a ça. Ensuite, ça devient ce qu'on appelle le halak. Donc, on appelle ici le sang-su. C'est-à-dire, c'est comme un caillou de sang. C'est comme un caillou de sang. Et au fur et à mesure, Allah dit, ensuite, il a revêtu cela de la chair. Donc, les détails qu'Allah donne dans le Coran, les scientifiques aujourd'hui, pas les scientifiques, excusez-moi autant pour moi, la médecine aujourd'hui, avec l'échographie, avec tous les appareils qu'ils ont aujourd'hui, ils nous disent en réalité que les spermatozoïdes, quand c'est dans le ventre de la femme, ici, il y a ici, le ventre, on dit, ici, nous pouvons constater que dans ce diagramme de suspension de l'embryon pendant l'étape de halak. Halak, c'est le spermatozoïde qui se transforme, ça devient comme un caillou de sang. Quelle est la personne que c'est un caillou mâché, c'est comme si c'était le sang. Aujourd'hui, l'échographie nous a confirmé cela. Lorsqu'une femme est enceinte, au bout de 1 mois, lorsqu'on fait l'échographie,
on constate que c'est comme si c'était le sang revêtu de chair. Or, Allah parlait de ça à son prophète avant que la science moderne vienne nous confirmer ça avec les appareils, que par la puissance d'Allah et par la miséricorde d'Allah, Allah les a donné connaissance aux mécréants pour qu'ils fabriquent des appareils afin de découvrir ce qu'il lui a dit à son prophète au 7e siècle. Et la science a découvert qu'en réalité, voilà comment l'homme se forme dans le ventre de la femme. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. On va aller un peu plus vite. Allah parle ici des montagnes. Voici encore. Coran chapitre 16, verset 15. Allah dit ceci. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la terre afin qu'ils ne se brandent pas en vous emportant avec elles. Coran chapitre 16, verset 15. Également, la théorie de ceux qui ont fait les recherches concernant les montagnes, ainsi de suite, il nous dit en réalité que les montagnes que nous voyons sur la surface de la terre ont des piquets, c'est-à-dire c'est enfoncé dans la terre. Mais la question qu'on se pose, quand Mohammed, que la paix de la soie, lui parlait de ça, où est-ce qu'il avait les appareils pour découvrir ça? La question est non. Mais qui découvre ça? Qui est en train de découvrir ça? Ce sont les scientifiques. Pourquoi ils le font? Ils veulent trouver des failles dans le Coran. Et en même temps, Allah leur donne ça comme un boulot. Quand Allah parle dans le Coran, Mashallah, quand Allah parle quelque chose dans le Coran, Allah dit que c'est les mécréants qui vont découvrir ça. Mohammed, il faut seulement annoncer. Et les mécréants, lorsqu'ils veulent dénigrer le Coran, lorsqu'ils voient par exemple le Coran parle, les cieux et la terre qui étaient ensemble, ils ne se séparent, ils disent bon, nous, on va aller vérifier ça. Et quand ils arrivent, eux-mêmes découvrent qu'en réalité, c'est ça. Il vient confirmer ce que le Coran a dit. L'embryologie dans le ventre de la femme, comment l'homme se développe dans le ventre de la femme, Allah parlait de ça dans le Coran, chapitre 23, verset 12 à 14, en descendant. Ils disent, bon, nous, on va voir est-ce que ce que Mohammed a dit au 7e siècle, est-ce que c'est vrai. Et la médecine a fini par confirmer cela. Ceux qui ont fait les études des montagnes, Allah dit qu'il a placé les montagnes sur la terre pour que la terre ne bouge pas avec nous. Ils ont fait des recherches, on dit, en réalité, les montagnes ont des piquets, les montagnes ont des racines. Ce n'est pas racine de l'arbre, mais elles ont des piquets qui sont enfoncés dans la terre. Mais comment Mohammed a-t-il su tout ça? C'est la science aujourd'hui qui nous démontre que ce que Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, a dit par la permission d'Allah est vrai. Donc, ils ne font que découvrir ce que le Coran a dit au 7e siècle. Ils ne font que découvrir. Comme disait l'un de nos grands savants, qu'aujourd'hui, la science a découvert à 80% que tout ce que le Coran a dit concernant l'embryologie, la mer, les vagues, et les montagnes, la terre et les cieux qui étaient ensemble, la science a découvert que tout ce que le Coran a dit a été découvert à 80%. Donc, les 20% seront sûrs que lorsque la science va trouver ces 20%, ce serait toujours dans le cadre où le Coran en a parlé. Sachez-vous, c'est lui qui le fait prendre la parole et qui nous montre les versets bibliques qui nous parlent des choses que les scientifiques ont découvert et non une théorie qui n'a pas de nom. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Le frère Alidou vient de donner ses arguments. Il est revenu sur la théorie de Big Bang et il a expliqué en quoi réellement c'était déjà un fait qui était déjà prédit dans le Coran. Il a également parachuté sur l'embryologie, la sourate 23 verset 10 à 14, où Allah Azzawajal démontre ou bien il explique les étapes successives de l'embryologie, de toutes les étapes. Il nous a donné les preuves. Il a également parlé de la sourate 16, verset 15. Il a montré que les montagnes, Allah a dit qu'il les a fixées et qu'il les a fixées sous la terre pour que la terre puisse être maintenue dans une certaine stabilité. Donc, le frère, le roi, vous avez également 10 minutes, vos dernières 10 minutes pour nous prouver en réalité que soit pour nous prouver en réalité que le frère Alidou, sûrement, il a commis une erreur. Si vous avez des réfutations, vous réfutez, vous apportez de nouveaux arguments. Le but, c'est de nous prouver entre la Bible et le Coran lequel de ces livres avait déjà prévu ou avait déjà prédit des faits scientifiques que la science contemporaine est venue confirmer. Donc, je remets le chrono à zéro. Vous voyez, chers frères, c'est bon? Vous êtes prêts? Activez le micro. Ok, voilà. Je suis prêt. Bon. Ok, donc je lance rapidement. Je vais aider mon frère. Ça, c'est votre Coran. Ça ne souscrit pas à la théorie là de Big Bang.
Ça, c'est sourate 79. Sourate 79. Nous partons, c'est le Coran, sourate 79. On va au verset 27. Au verset 27, on nous dit ceci. Ça, c'est le Coran, on dit ceci. Sourate 79, verset 27, on dit « Êtes-vous plus dur à créer ?» Ou le ciel qu'il a pourtant construit, il a élevé bien haut sa voûte, puis il a parfaitement ordonné, il a assombri sa nuit et a fait luire son jour, et quand à la terre, après cela, il a étendu. Donc vous voyez, il a comme... Dieu ne parle pas de Big Bang. Le Big Bang, ça part à partir du néant. Mais ici, on voit comment est-ce que Dieu... Frère, remettez mon écran, mon frère. Écoutez, on montre très bien, ça c'est dans votre Coran. Ça c'est votre Coran. Au chapitre 79. Essayez de m'envoyer l'invitation. Essayez de m'envoyer l'invitation pour que je puisse vous ajouter. Ah, ok. Ok, nous sommes là. Ah, vous avez ça? Oui, j'ai envoyé ça. Ah oui. Ça, nous étions dans le Coran, chapitre 79, sourate 79. Nous étions au verset 27, là où on montrait que la théorie de Big Bang, c'est une fausse théorie d'après le Coran. On dit au verset 27, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit, il a élevé bien sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. On voit comment est-ce que Dieu, Allah lui-même parle, comment est-ce qu'il a créé, il a assombri, et quand à la terre, au verset 30, on dit ceci, après cela, c'est après. Après ça, terminé le ciel, Allah est, il est monté maintenant au ciel. Il est venu, il a dit, et quand à la terre, après cela, il a étendu. Où est le Big Bang? Mon frère, il ne faut pas commencer à inventer des histoires que même l'islam n'enseigne pas. Je vais même vous montrer un hadith. Ça, c'est un hadith de votre prophète Muhammad. On va voir ce qu'il a dit dans cet hadith. Hein? Puisque nous sommes là pour que les gens puissent être bien enseignés. C'est ce que nous faisons, que les gens soient bien enseignés. Ça, c'est dans un hadith de Sahih Muslim, au 27:8-9. On dit ceci. Abu Hurayra a rapporté que le messager d'Allah a pris ses mains et a dit, Allah, l'exalté et le glorieux, a créé l'argile le samedi. Allah a créé l'argile le samedi. Il a créé les montagnes le dimanche. Ça, c'est le dimanche. Les montagnes. Et il a créé les arbres le lundi. Il a créé les choses nécessitant le travail le mardi. Il a créé la lumière le mercredi. Ça, c'est un hadith. C'est un hadith de votre prophète Muhammad. Et puis, il a fait reprendre les animaux le jeudi. Et a créé Adam la paix le vendredi, le soir, vendredi. Où est le Big Bang? Frère, il ne faut pas commencer à inventer des histoires qui ne se trouvent même pas dans votre Coran. Et puis, tu as parlé de l'embryologie, mon frère. Hein, comment est-ce que la femme forme l'enfant à l'intérieur, tout ça, mon frère. Hein? Écoutez, le Coran n'a jamais parlé de l'embryologie. Hein? Ça ne parle pas de l'embryologie. Et puis tu as cité un docteur, là, c'est docteur Alfred. C'est qui? Hein? Docteur Alfred a dit le Coran, tout ça. Mais écoutez, il faut venir avec les faits. Il ne faut pas venir ici avec des supputations que quelqu'un aurait dit ceci et cela. Non, il ne faut pas faire ça, mon frère. Hein? Le Coran ne parle pas de Big Bang, ça ne parle pas de l'embryologie. Je vais te démontrer ça. C'est tout ce qu'on t'a dit là. Moi, je vais te démontrer. Nous sommes dans le psaume, ici c'est le psaume, nous sommes psaume 139. Vous allez voir comment est-ce que David lui-même était en train de décrire les miracles de Dieu, que Dieu était en train de faire. Hein? Nous sommes dans le psaume 139, on va voir comment est-ce que David a décrit, comment est-ce que Dieu crée. Hein? On va voir, psaume 139, pour voir comment est-ce que David a parlé de l'embryologie.
Alléluia. Il dit ceci. Ça, c'est au verset 15. Psaume 139, au verset 15. Ça, c'est les Zabours. Hein? Au verset 15, on dit ceci. On peut commencer bien à partir d'ici. Au verset 12, il dit, « Mais même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans... qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Hein, David parle comment est-ce que Dieu l'a tissé. Il dit que je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme et tes œuvres sont admirables. On dit, au verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Il dit ceci, quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, ça c'est l'embryon. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Maintenant, écoutez, c'est que tu as donné le verset du Coran et tu n'as même pas terminé ça. Tu n'as même pas terminé Coran au chapitre 23. Hein, mon frère, il ne faut pas faire ça. Nous sommes là pour nous aider. Nous sommes Africains, nous avons beaucoup souffert. Nos gouvernements nous ont menti pendant des années. Ça, nous sommes dans le Coran au chapitre 23. Tu as lu au verset 12. Et le verset continue au verset 13, au verset 14. On va voir, ça c'est Sourate 23, verset 14. Là où tu parlais des alakras, le sperme et puis la masse de sang, tout ça. Il dit ceci. Au verset 14, on dit, ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. De cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de la chair. C'est ce que dit votre Coran. Or, il y a un anachronisme ici. Il y a une erreur ici. Il dit, on a créé du sperme une adhérence. Adhérence, c'est quoi? Ce qu'on appelle adhérence. Hein? Comment est-ce qu'on cherche un terme là que les gens ne comprennent même pas ça? Mais heureusement, nous avons d'autres versions du Coran. On dit ceci. Il a créé la goutte qui est le sperme, et puis il s'accroche à embryon entre parenthèses. Donc, il ne sait même pas comment expliquer ça. Et puis, on va voir, on dit ceci, le mot que tu as utilisé, alaka, il est là, et nous avons créé de cette goutte de sperme une alaka. Alaka, ça veut dire caillot de sang, c'est le sang coagulé. Le sang coagulé, c'est ce que veut dire alaka. Et puis, ils ont dit adhérence. Mais mon frère, le sperme ne devient jamais du sang. Le sperme ne se transforme jamais en sang. Puisque lorsqu'on parle de alaka, c'est le sang. On a mis adhérence, tout ça. Non, le sperme ne se transforme jamais en sang. C'est impossible. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas l'embryologie. C'est contre les règles les plus élémentaires de l'embryologie. Et le verset ici est faux. Et puis il continue. De cette adhérence, de cette alaka, nous avons créé un embryon, mudga. Et de cet embryon, nous avons créé des os. Hein? Nous avons créé des os et nous avons revêtu ces os de chair. Or, c'est faux. Les os, c'est comme si les os viennent avant la chair. Ce n'est pas ça. Les os ne viennent pas avant la chair. C'est comme si l'enfant était squelette et puis les os sont la chair est venue. C'est ce que dit ce verset, littéralement. Hein? Le verset ici dit littéralement ici. Et puis, nous avons revêtu les os de chair. Donc, entre les os et la chair, qu'est-ce qui est venu avant? Donc, cela veut dire que vous voulez dire que l'enfant était squelette. Et puis, la chair est venue couvrir. Donc, il y a un anachronisme qui est ambiant dans ce verset. On ne peut pas dire que l'enfant était squelette. Ça n'a pas de sens, ce verset ici, mon frère. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Je vous ai démontré que toutes les théories que vous donnez là, ce sont des fausses théories. Il ne faut pas faire ça, mon frère. Et il me reste combien de minutes? Je ne vois pas bien. Combien de minutes il me reste là? Vous avez fini votre temps, vous avez fini, cher frère. Ok, merci. Voilà, il est 10 minutes 7 secondes.
D'accord, atterrissage, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, merci au frère le roi, il a donné des arguments. Il a dit comme quoi que le halaqa, dont parle le Coran, que c'est du sang coagulé et que le sperme ne se transforme jamais en du sang. Bon, ce sont des propos qu'il a affirmés, mais comme nous sommes dans une démarche de raisonnement, on aurait bien aimé, moi je suis le modérateur, je dois pouvoir quand même modérer un peu, on aurait voulu que vous apportiez des preuves de ce que vous dites. Ah, le Coran a dit ci, il a dit ça. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a telle preuve et vous lisez soit c'est une affirmation d'un savant ou bien c'est un livre, vous nous donnez les références et là, c'est clair. Mais quand vous venez, vous dites non, c'est faux. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est faux? C'est votre parole. Donc, si possible, si vous pouvez appuyer avec des arguments et des preuves palpables pour qu'on puisse aller vérifier, pour qu'on puisse aller lire soit les témoignages des savants ou bien les affirmations de ceux qui ont fait des recherches, là, ça pourrait vraiment enrichir un peu le débat. Donc, je dois quand même modérer. Ce n'est pas que je prends parti, mais je dois quand même modérer. Voilà. Donc, également, pour restaurer les choses dans les normes, comme de façon claire, on veut montrer que les recherches scientifiques ont abouti à des conclusions qui ont été précédemment affirmées dans le Coran ou dans la Bible, ce qui veut dire qu'on doit partir des résultats des savants avant de remonter soit à la Bible ou bien au Coran. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quand le frère Ali Dou amène un verset du Coran et qu'il appuie ça par un témoignage d'un savant, c'est normal parce que c'est à partir des résultats des savants on va remonter pour voir est-ce que le Coran avait dit ça. Vous comprenez? C'est logique. Donc, si vous prenez votre temps, bien, si dans l'intervention, chacun va essayer d'apporter, par exemple, la science contemporaine a dit ceci, vous listez le nom de celui qui a apporté le savant. Et maintenant, c'était déjà dit dans le Coran dans tel verset. Ou bien, vous dites que c'est déjà dit dans le Coran ou dans la Bible, mais voilà que tel savant est venu confirmer ça à tel moment. Donc, on va pouvoir vous retrouver soit le verset coranique avec la justification d'un savant, ou bien le verset biblique avec la justification d'un savant. Ou bien, vous partez du savant et vous remontez soit à la preuve coranique ou à la preuve biblique. Ou un raisonnement logique. Donc, j'essaie de modérer un peu. Donc, le frère Alidou, vous avez vos dernières 10 minutes et après cela, vous allez passer à l'étape du corps à corps de l'échange direct, end one, petit poteau, rapide. Donc, je remets le compteur, sinon le chrono en marche. Je ne sais pas si c'est bon. Vous êtes prêts? Donc, si vous êtes prêts, ouais, je lance. Ferme ton micro. Prenez votre micro, le roi. Voilà. Ouais, c'est parti. Merci. Au fait, le roi est en train de m'aider même. En fait, mon frère est en train de m'aider pour confirmer qu'en réalité, le Coran a parlé de l'embryologie. Le problème du frère, c'est que pour lui, regarde la question qu'il pose. Comment le Coran dit que le sperme est devenu le sang, caillou de sang? Ensuite, nous avons fait de cela les os et les os est revêtu de chair. Pour lui, ce n'est pas normal. Donc, pour lui, c'est la chair qui doit être revêtue des os. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas un sens. La chair ne peut pas être revêtue des os. Ce sont les os qui vont être revêtus de la chair. Nous sommes là. Mes os sont revêtus de ma chair. Ce n'est pas l'inverse. Donc, le frère Antoine m'aidait même. Quand on parle, le frère dit des gens d'aller étudier. Regarde. Ça, c'est le livre qui parle de tous ceux qui ont fait des recherches concernant l'embryologie. Ils ont tout expliqué là. Tu peux commencer à citer même les noms. Vous voyez un peu l'image? Vous voyez l'image? Il dit, c'est comme ça, l'enfant se trouve dans le ventre de la mère. Et l'enfant prend vie à partir de combien de mois? Je vais expliquer, entre 5 et 6 mois, l'enfant commence à prendre vie. Mais quand l'enfant commence à prendre vie dans le ventre de la mère, est-ce que c'est sa chair qui est revêtue de ses os ou bien ce sont ses os qui sont revêtus de sa chair? Ça, c'est la question à laquelle il va me répondre. Ça, c'est d'abord la première réponse qu'il va me répondre d'abord. Parce que Allah parle ici aux doués intelligents. Il dit, nous avons revêtu les os de chair. Mais c'est normal. L'homme est revêtu de quoi? Nous-mêmes, on est debout là, on a l'esquelette en nous. Notre esquelette est revêtu de quoi? De la chair. C'est logique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il est revenu sur la théorie du bing-bang, moi, j'ai dit, Allah a donné du boulot aux mécréants. Il dit ici, est-ce que le Coran a dit, Allah est en train de dire que c'est les mécréants qui vont chercher ça. Donc, quand ils vont découvrir ça, ils vont écrire dans les livres. Est-ce que
que nous, musulmans, on a besoin que les mécréants pas découvrent ça? Non. Allah nous a dit, nous, on croit. Mais c'est les mécréants qui viennent nous dire, comme Allah dit ceci dans le Coran, nous, on va aller voir si c'est vrai. Et quand ils partent, ils découvrent. Quand ils viennent confirmer, est-ce qu'ils vont écrire ça dans le Coran? Non. Ils vont écrire les livres. Voilà ici. Je vais commencer à citer même les noms. Pour dire à mon frère, que les mécréants qui découvrent tout ce que le Coran a dit, ce sont eux qui écrivent ça dans les livres. Pour dire en réalité, ce que Mohammed a dit au 7e siècle, on a découvert cela. Et ils vont mentionner ça dans les livres. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Il demande... ici, on a le docteur Emmetus Kate, l'île mort, est l'un des savants le plus prédominant en anatomie et en embryologie. Il est aussi l'auteur du livre intitulé « The Developing Human » qui a été traduit en 8 langues. Ce livre est un travail de référence scientifique choisi par un comité spécial aux États-Unis comme étant le meilleur livre écrit par un auteur. Dr. King, mort, est professeur émérite d'anatomie et de biologie et de cellules de l'Université Toronto, Canada. Il était Doane associé des sciences et des bases de faculté de médecine. Écoutez bien, l'embryologie est découverte par la médecine, faculté de médecine, et était pendant 8 ans le chef du département d'anatomie. En 1984, il reçut le prix le plus distingué désigné pour le domaine de l'anatomie au Canada, le prix de l'Association canadienne de l'anatomie, GSCB. Il dirige plusieurs associations internationales. Il dit, parce qu'il a reçu le prix, pourquoi? Parce que tout ce qu'il a dit concernant l'embryologie, comment l'enfant se développe dans le ventre, après avoir fait ses recherches, après avoir confirmé tout ça dans son livre, on dit son livre a été traduit en 8 langues. Et tous ceux qui ont traduit son livre en 8 langues, ils sont allés faire des recherches aussi concernant cela. Comment ils ont fait ces recherches? À travers ce qu'on appelle l'échographie. C'est à travers ça, ils ont vu comment l'enfant se développe dans le ventre de la femme. Et lorsque ces gens, ça nous donne des détails, ça corrobore avec ce que le Coran a dit. Coran chapitre 23, verset 12 jusqu'à 14, comme le frère vient de lire. Les scientifiques sont au travail, ils sont en train de confirmer ce que Allah a dit. Allah lui parle d'une manière brève. Alors pourquoi Allah dit que c'est les mécréants qui vont découvrir ça? Et ce sont eux qui découvrent. Pourquoi ils découvrent-ils? Parce qu'ils disent que ce que le Coran dit là, ce n'est pas vrai. Bon, on va aller voir est-ce que c'est vrai. Le livre dont je suis en train de vous présenter là, il y a beaucoup de milliers scientifiques à l'intérieur. Mais je ne vais pas prendre beaucoup. Parce que mon frère en face, il n'est même pas dans le plat. Il n'est même pas dans le plat. La Bible dit, David, un Dieu, tu m'as formé dans mes reins. Oui, mais donnez-moi les détails. Est-ce que David a dit qu'il est sorti du spermatozoïde? Le spermatozoïde, un caillou de sang. Je crois qu'il est parti. Bon, peut-être il a des problèmes. Il a reçu un appel, je ne sais pas. Ah, il va revenir. Il va revenir. Qu'on attende quelques minutes. Ok, d'accord. Oui, c'est souvent le réseau, la connexion et tout ça. C'est sûrement les aléas du direct, sûrement il a dû recevoir un appel et tout ça. Oui. On va l'espérer encore quelques minutes, quelques secondes pour voir Inch'Allah. Espérons qu'il nous revienne. Et comme j'arrête le chrono,
Ah, il y a le chrono. Donc, il lui reste environ 3 minutes, quelques secondes. Voilà. Donc, l'ange à Allah quand même. Et bientôt l'Aïd al-Adha, bientôt la fête du sacrifice, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui ne savent pas, bien ceux qui ne connaissent pas l'origine de cette fête, essayez de vous rapprocher des imams, mais des aînés dans la religion islamique. Ils vont essayer de vous raconter un peu l'histoire pour que vous soyez informés, parce que le musulman doit connaître sa religion. Et chaque fête qu'il célèbre, il doit connaître l'origine de cette fête. Donc, on essaie. Voilà, je pense qu'il est là. Je pense. Je l'ajoute. Et c'est bon. Ouais, excusez-moi, c'est ma connexion. C'est ma connexion. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, vous avez. Au fait, donc, je lance frère, le chrono. Voilà. Ouais. Allez. Mon frère, en face de moi, ce qu'il ne comprend pas, c'est quoi? C'est que lorsque Allah parle, Allah donne des indices. Maintenant, les mécréants vont venir, voilà, contredire ça. Vous dites ce que Allah a dit là. Nous, on va aller voir est-ce que c'est vrai. Et quand il part trouver qu'en réalité, c'est la vérité. Coran, chapitre 79, que le frère apprécie. Je vais lire. Il dit ceci. Une partie qui m'intéresse même à l'intérieur. Partie verset 27. Il dit ceci. Excusez-moi. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et a fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Tout ça rentre dans le contexte du Big Bang. Comment la terre c'est ce que le frère lui veut voir, le Big Bang, comment les scientifiques ont parlé, il veut voir ça dans le Coran. Non, c'est pas comme ça. Allah lui a parlé et puis il a dit c'est des mécréants qui ont découvert ça. Ici, Allah dit quoi encore? Et il fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Il fait sortir de quoi? Son eau et son pâturage de quoi? Du ciel, non? Encore en disant ceci. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Pour votre jouissance, vous et les bestiaux. Masha'Allah. Regardez, Allah dit qu'il fait sortir du ciel. Qu'est-ce qu'il fait sortir du ciel? Je vais lire ici, Coran chapitre 24, à partir du verset 43. Écoutez très bien. Verset 43, excusez-moi. Je trouve rapidement. Voilà, je suis à la page. Allah dit ceci. Allah fait atterrir la nuit et le jour et il y a là un sujet de réflexion pour ceux qui ont des yeux. Écoutez bien, pour ceux qui ont des yeux. Verset 43. N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il est réuni et il en fait un amasse. Un amasse. Et tu vois la pluie sortie de son sein. Le sein de quoi? Des nuages. Et il fait descendre du ciel de la gelée provenant de nuages comparables à des montagnes. Tu vois, comme les nuages, la main, donc les nuages sont formés. C'est comparable à des montagnes. À partir de là, Allah fait descendre de l'eau. Mais qui sont ceux qui sont allés vérifier tout ça pour nous prouver? Ce sont des météorologues. Donc, ils ont prouvé en réalité que ce qu'Allah a dit est vrai. Donc, les montagnes, enfin, pas les montagnes, les nuages se forment souvent comme si c'était des montagnes. Même souvent, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est comme des montagnes. Même quand tu montes dans l'avion, ou ceux qui sont montés dans l'avion comme nous autres, quand l'avion traverse certaines zones, tu as l'impression que ce sont des nuages. Allah dit qu'il fait sortir de l'eau dedans. Qui sont ceux qui nous ont prouvé cela? Ce sont des météorologues. On continue le verset. Et il en frappe qui il veut, de l'éclat de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Donc, Allah dit ici, le ciel qu'il a créé, voilà, Masha'Allah, le ciel qu'il a créé, ensuite, il va former des nuages, masse de nuages. Et de ce, Allah va faire descendre de l'eau. Vous voyez un peu? Allah va faire descendre de l'eau de ce nuage-là. Mais qui sont ceux qui sont venus nous prouver qu'en réalité, la pluie qui descend, ça sort des nuages? Ce sont des météorologues. Ils sont venus confirmer ce qu'Allah a dit dans le Coran. C'est clair. Il n'y a pas de débat là. Je pense que le frère doit être humble pour nous dire voici ce que la Bible a dit, que les nuages, ou bien l'embryologie, ou bien la terre formait une masse compacte, ou bien l'homme a été tiré du spermatozoïde. Ensuite, voilà comment l'homme se forme. Il va me donner ces détails-là.
dans la Bible. Ensuite, il va nous dire, les scientifiques ont confirmé cela, et puis nous encore. Mais si déjà, la Bible ne parle même pas comment la descendance d'Adam a été créée, ce n'est pas l'embryologie que la Bible va venir nous en parler. Merci voilà, beaucoup. Frère, allez-vous. Ok, d'accord. Je vous ai donné encore une minute parce que vous avez quitté en temps. Donc, merci à vous tous. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la page Facebook officielle du collectif DDR, Inch'Allah, pour le débat entre le frère chrétien et entre le frère chrétien et le frère musulman, Inch'Allah, respectivement, le roi et Alidou de la DDR Gabon. Donc, on va rentrer direct dans l'étape d'échange, le petit poteau end one rapide. Vous avez 20 minutes. Vous avez 20 minutes pour échanger, poser des questions. Celui qui pose la question, l'autre est forcément obligé de répondre, si possible, avec des preuves à l'appui et vice-versa. Donc, vous avez 20 minutes. Je remets le chrono. Regardez bien, c'est 0-0. J'appuie et c'est bon. Allez-y, c'est bon. Voilà. Le roi, moi, j'ai posé une simple question. Vous avez dit ici que Allah dit qu'il revêtit les os de chair, que ce n'est pas cohérent. Moi, je vous pose la question. Est-ce que les os sont revêtis de chair ou c'est la chair qui est revêtue des os? Voici ma question. Le micro est fermé. Voilà. J'ai très bien dit que si tu dis la chair vient couvrir les os, c'est comme si l'enfant était squelette. Et c'est ce que j'ai dit, c'est faux. Et je n'ai pas dit que ce sont les os qui viennent couvrir la chair. Non, les os sont à l'intérieur. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Puisque même votre prophète avait dit ça, je vais te montrer. Écoutez, tu sais, moi tout ce que j'ai dit, je prouve ça avec des preuves qui sont bien écrites dans vos hadiths. C'est écrit dans vos hadiths. Hein? Moi je n'invente rien, je ne fais que vous montrer. Remettez mon écran, vous frère, parlez, s'il vous plaît. Vous nous parlez des hadiths. Vous ne faites que réciter ce qui est dit. Mais nous, on vous parle de ceux qui sont venus prouver ce qui est dit. Est-ce que vous comprenez dans quel système nous sommes en train d'y aller? Allah écoutez, a dit, le prophète a... Mais ceux qui sont venus confirmer ça, est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou faux? C'est ce qu'on veut savoir. C'est ce que je suis en train de te montrer, que ce n'est pas vrai, ce que tu racontes là. Écoutez donc, ce que dit votre prophète dans Sahih Bukhari numéro 65-94. Il dit ceci. Le messager d'Allah, le véridique et véritablement inspiré, a dit: chacun de vous est recueilli dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Ça, c'est Muhammad qui dit ça. Puis il est transformé en un caillot de sang, pendant une période égale, pendant 40 jours. Ça, c'est Muhammad qui dit. Que oui, lorsque caillot de sang. Entre... Oui, c'est depuis là. Ça, c'est Muhammad qui dit ça. C'est un hadith qui est authentique. Il dit que l'enfant est recueilli comme caillot de sang. Puis il est transformé en un morceau de chair pendant une période similaire. Où sont les os ici? Pendant 40 jours. Écoutez, il ne faut pas dire qu'il y a eu les os et puis la chair est venue couvrir. Non, non. Donc, avant les os, il n'y avait pas de chair. Moi, je ne vous ai pas dit qu'avant les os, il n'y a pas de chair. On dit bien un caillou de sang. Un caillou de sang. Qu'est-ce que Allah entend nous faire comprendre par là? Un caillou de sang. Pourquoi un caillou de sang? C'est ce que je t'ai démontré. Donc, quand le prophète parle. Attends, Yari. Quand le prophète parle. Non, pas une erreur. Quand le prophète parle de chair. Donc, vous voulez voir que le prophète va dire chair et puis l'os. Non. Il faut quand même être. Je ne sais pas comment le dire. Puisque nous-mêmes qui sommes d'abord nés d'abord, regarde comment tu es debout physique. Ta chair est revêtue de tes os. Donc, quand Allah parle de l'enfant dans le ventre, qu'ensuite, il va revêtir ses os de chair, toi, tu prends ici l'aspect où l'enfant n'est pas encore arrivé à ce niveau. Toi, tu es dans 40 jours. À quel moment tout ça est composé? Est-ce que c'est pendant 40 jours? Pendant 40 jours, nous sommes encore sur le sujet de l'embryologie. Caillou de sang, ça devient comme le chewing-gum qu'on a mâché.
Les jours qui suivent, les mois qui suivent, c'est là où l'os intervient et s'est couvert de chair. Et ensuite, au sixième mois, si je m'abuse, Allah va maintenant mettre l'âme. Quand Allah met l'âme dans le dans ce qui est dans le ventre de la femme là, quoi, il n'y a pas les os dans le corps là, il n'y a pas les os dedans, il y a les os. Donc quand Allah dit c'est revêtu de chair, il faut comprendre ici que c'est pendant une période, ce n'est pas au début. Le sperme n'a pas des os. Tous ces 40 jours que tu parles là, c'est, il n'est pas question des os d'abord. Et puis, cette théorie ici des 40 jours, ça contredit totalement tout ce que tu disais. Puisque dans l'embryologie, on ne parle pas de 40 jours. Ça, c'est votre hadith. Mohamed lui-même qui dit que l'enfant, lorsqu'il vient, il fait 40 jours dans le ventre de sa maman, puis le transformer en un caillot de sang pendant 40 jours, une période égale. 40 jours. Et on dit 40 jours. Oui. Il est transformé en un morceau de chair pendant 40 jours. Écoutez. Allah envoie un ange décrit quatre choses, sa provision, son ange et tout ça. Hein? Écoutez, tout ça démontre que ta théorie de l'embryologie ne tombe pas. Donc quand l'ange vient mettre l'âme dans l'enfant là, donc l'enfant là n'a pas les os. Il n'y a pas les os à lui. Quand l'ange vient mettre l'âme là, il n'y a pas les os dans l'enfant là. Il n'a pas les os. Bon, il y a les os sont là. Alors, non, les os sont revêtus de quoi? C'est revêtu de quoi? Toi, tu dis que... Ces os sont revêtus de quoi? Ces os sont revêtus de quoi? Ces os sont revêtus de quoi? Alors, mais c'est pas ce que le Coran dit. Moi, c'est ce que je dis, ceci. Il ne fallait pas dire que l'enfant était squelette. Et puis, moi, il n'est pas que la presse squelette, c'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Puisque dans vos sourate 23 au verset 40, sourate 23 au verset 14, on dit ceci, que le sperme est devenu alaka. Alaka, c'est quoi? Alaka, c'est un caillot de sang. Oui. Alaka, c'est, ça veut dire... Caillot de sang? Caillot de sang. Oui. Ensuite? Oui. Or, c'est faux. C'est faux déjà, dès le départ... Dès le départ, le sperme ne se transforme pas en sang. C'est quelle théorie, ça? Moi, je vous comprends. Mais demandez un peu aux médecins, ceux qui font l'échographie, demandez-les. Comment est-ce que le spermatozoïde se transforme après 40 jours? Demandez-les, moi, vous dis. Demandez aux médecins. Ah, ok. Ok. Demandez aux médecins. N'importe quel médecin que vous voulez. Écoutez-moi très bien. Ça ne vient pas de nous. Lorsqu'une femme est même enceinte à partir de 2 semaines, lorsqu'elle n'a pas fait l'échographie, on lui dit l'enfant est on lui dit c'est déjà le sang. Ça a déjà commencé à dévisser. C'est déjà le sang en elle. C'est déjà le sang. Comment vous voulez dire que le sperme ne se transforme pas en sang pendant que l'échographie confirme que pendant quelques temps, le spermatozoïde devient maintenant un caillou de sang. Ça devient le sang. Et on voit ça, le sang, c'est rouge à l'intérieur de la femme. Comment vous pouvez dire non? Est-ce que le spermatozoïde, c'est le sang? C'est pas le sang. Il n'est pas rouge, c'est pas le sang. Ce qui sort dans l'homme n'est pas le sang. Mais ça devient le sang dans le ventre de la femme. C'est ce qui se développe pour devenir maintenant l'enfant. Maintenant, il y a... Voilà pourquoi on dit que c'est tout un processus. Au moment où c'est le spermatozoïde, ça devient un caillou de sang. Caillou de sang, de la chair. Allah maintenant va façonner l'enfant. L'enfant maintenant il a les os. Les os sont recouvertis de chair. Ensuite, maintenant, Allah va vous mettre l'âme dans l'enfant. Comment vous pouvez dire que c'est faux pendant que vous n'avez même pas fait la médecine? Vous n'êtes même pas médecin. Vous ne demandez même pas médecin. Parce que c'est le Coran qui a dit, vous voulez rejeter. Les médecins vous disent, lorsqu'une femme a des rapports avec un homme, au bout d'une semaine, le spermatozoïde devient le sang en elle. Vous dites que c'est faux. Donc les scientifiques nous confirment ça. Vous ici, vous n'êtes pas scientifique, vous n'êtes pas médecin, vous voulez dire que c'est faux sans preuve. Moi, je vous envoie aller consulter un médecin, que ce soit un gynécologue ou soit une sage-femme, ou ceux qui sont de faire l'échographie. Ils vont vous confirmer ce que le Coran dit. Maintenant, écoutez, mon frère. Maintenant, ce que tu dis là, ça contredit même ce que ton prophète t'a dit. Tu dis que une femme, ça fait le spermatozoïde fait une semaine, c'est ce que tu dis. Et puis, ça se transforme en sang après une semaine. On dit à partir d'une semaine. Ce n'est plus le spermatozoïde qui est dans l'homme.
Il faut me montrer où est-ce qu'on a dit à partir d'une semaine, puisque Muhammad a dit 40 jours. Ça où? Ah, tu dis une semaine. Je te montre ça où? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je t'ai donné le hadith, un hadith qui dit Muhammad a dit le spermatozoïde reste 40 jours. Et puis ça se transforme en alaka après 40 jours. Maintenant, toi, tu dis une semaine. Maintenant, si tu écoutez dis ça, que je... attention, écoutez, attention. Écoutez, puis, lorsque tu parles de la science, nous sommes scientifiques. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Être scientifique, c'est pas forcément être médecin. Je dis ceci. Lorsque la femme a les rapports avec un homme, lorsque l'homme échappe à la femme... Moi, j'arrive. J'enseigne les médecins. Nous enseignons les médecins. Et puis, vous ne savez pas que le spermatozoïde qui soit dans l'homme devient le sang. Vous ne savez pas ça. Nous enseignons les médecins. Je parle de la parole vous de Dieu. Savez, dans la, comme vous connaissez savez, la parole de Dieu. Nous enseignons, même les médecins, ils apprennent de la parole de Dieu, de chez nous. J'ai dit, hein. Demandez aux médecins. Je vous pose une question. Je vous pose une simple question. Est-ce que le spermatozoïde qui sort dans l'homme, est-ce que c'est le sang? Non. Maintenant, quand ça rentre dans le ventre de la femme, à quel moment ça devient un caillou de sang? Muhammad a dit 40 jours. Je t'ai montré le hadith. On vous dit à partir d'une semaine, ce n'est plus le spermatozoïde qui est sorti dans l'homme. À partir d'une semaine, ça prend déjà une autre forme. Attention, si tu viens dans un débat religieux, dans un débat scientifique, ça c'est hautement scientifique. Il y a peu de gens qui puissent discuter de ça. J'ai beaucoup d'éléments, mon frère. Alors, je pas les éléments. Moi, je me rapproche plus des médecins. Montre la preuve. Moi, je t'ai donné la preuve. Muhammad a dit 40 jours. Où est-ce que toi, tu as trouvé ça? Le hadith dit 40 jours. Donc, c'est pour vous montrer Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire? Écoutez. Moi, j'explique parce que moi qui vous parle, peut-être vous aussi, vous avez des enfants. Approchez-vous d'un médecin et demandez-le, lorsque l'homme éjacule dans la femme, à quel moment le spermatozoïde change et ça commence à devenir le sang. Demandez un peu à un médecin. Il va vous dire à quel moment ça change. Mon frère, attention, il ne faut pas aller dire demander. Nous sommes là, nous mais avons tous les éléments ici. C'est sont eux qui nous confirment. C'est que le Coran dit. Je n'ai pas besoin d'aller demander ce que je connais déjà. Je t'ai montré l'ambivalence, je t'ai montré la contradiction. Muhammad, dans le hadith de Sahih Bukhari, Sahih Muslim, il dit que le sperme fait 40 jours. Toi, tu dis à partir d'une semaine. Donc, tu as quitté l'islam. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Écoutez ce que je dis. 40 jours. Écoutez ce que je dis. Muhammad parle de 40 jours, du spermatozoïde, 40 jours. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient quoi? Maintenant, tu as 40 jours. Ça devient quoi? Du premier jusqu'au 40 jours là, ça devient quoi? Quand le prophète a parlé, ça devient quoi? Ça devient caillot de sang. D'après le hadith. Caillot de sang, non? Maintenant, moi, je vous dis. Du premier jour jusqu'à une semaine, le spermatozoïde dans le ventre de la femme, ce n'est plus le spermatozoïde qui sort dans l'homme. Ça commence déjà à prendre une autre forme. Donc, du premier jour, une semaine après, ça change de forme. Jusqu'à 40e jour, ça devient maintenant un caillou de sang. C'est tout un processus. Mon frère, où est-ce que tu dis ça? Donne la preuve. Moi, je suis saché des médecins. Je suis saché des médecins. Montre-nous quel médecin a dit ça. Donc, je passe trouver les médecins, je vais te les donner. Voici le livre. Va acheter, tu lis ça. Je te mets ça, tu regardes bien, tu peux acheter ça, tu lis. Tu as trouvé tout son là-bas. Regarde bien, tu peux acheter ça, tu lis. Achète ça. Mon frère. Tu as vu, non? Il faut préparer bien tes éléments, mon frère. Et puis, Muhammad a dit ceci, que l'enfant fait 120 jours seulement. Donc, 40 jours dans le ventre de sa maman. Et puis, 40 jours, il devient alaka. Il devient alaka. Et puis, moi, je t'ai dit que c'est un processus. C'est 40 jours. Ça donc, change. Chaque 40 jours, ça change. Qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Il ne faut pas associer l'islam à l'embryologie. Ça ne colle pas. Ton explication est juste. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a fait de vous dire? Écoutez bien ce qu'on vous dit. Allah dit.
il a créé Adam de l'argile, sa descendance du goût de sperme. Maintenant, qu'est-ce que ce sperme-là devient? Allah dit, quelques temps après, ça devient un caillou de sang, caillou de sang. Après, il va, ça devient une chair. Après, la chair, revêtue, les os sont revêtus de chair. Ensuite, il met l'âme dans l'enfant. Ça, c'est ce qu'Allah détaille. Maintenant, la médecine nous dit, en réalité, c'est comme ça que l'enfant se développe dans le ventre. C'est spermatozoïde, ça devient le sang, ça devient sous forme de caillou de sang. Ça, c'est... Donc, ils ont confirmé que ce qu'Allah dit dans le Coran est vrai. C'est comme ça que ça se passe dans le ventre de la femme, à travers quoi? Les appareils technologiques qu'on appelle les appareils de l'échographie. Ils ont beaucoup les appareils, donc ils nous détaillent cela. Moi, je cause avec les médecins pour voir si ce que le Coran dit. Mais effectivement, c'est comme ça que ça se passe dans le ventre de la femme. À partir d'une semaine, le spermatozoïde n'est plus le spermatozoïde qui est sorti dans l'homme. Ça change déjà. Ça commence déjà à prendre une autre forme. Quand le prophète parle de 40 jours, ce sont des processus. Attention, avec moi, tu ne peux pas échapper. Tu vois, moi, si je débat, chaque mot que tu prononces, moi, je peux prendre ça avec des pincettes. Chaque mot que tu prononces, je peux commencer à examiner. Hein? Tu parles. Mais examiner maintenant, maintenant, attendez. Tu as parlé avec des médecins. Attends. Mais, la médecin dit quoi? J'arrive. Maintenant, tout ce que le Coran vient de dire là, moi je vous dis et je vous envoie aller consulter le médecin. Maintenant, montez-moi dans la Bible où votre Dieu qui est dans la Bible a donné ces processus qui nous sont en train de dire dessus là. Montez-moi un verset. Le processus que tu as donné est biaisé. C'est une fausse. Montrez-moi. Bon, ok. Je vous l'accorde. Montrez-moi ça dans la Bible. Montrez-moi ça dans la Bible. Alléluia. Et c'est ce qu'il fallait demander. Puisque le spermatozoïde, écoutez bien, le spermatozoïde, caillou de sang, c'est le sujet. Montrez-moi ça dans la Bible, je vois. Alors, c'est ce que je vois. Non, il ne faut pas dire spermatozoïde, caillou de sang. Le Coran a donné des détails. Ni Goldville, Allah dit bien le spermatozoïde. C'est un faux détail. C'est un faux détail. Le sperme ne devient pas caillou de sang. Le sperme, lorsqu'on parle de caillot de sang, ça veut dire que c'est le sang qui est mort, qui s'est coagulé. Lorsqu'il y a coagulation de sang, cela veut dire que c'est la mort. La mort, c'est le sang. Moi, je comprends votre problème. Donc, comme la science a découvert que le spermatozoïde se transforme en caillou de sang, c'est pas que c'est un caillou que toi tu prends pour lapider l'oiseau qui est avec le sang. Non. Quand l'appareil montre. Comment ça s'est transformé dans le ventre de la femme? Tu as l'impression que c'est un caillou de sang. C'est pas que c'est le caillou que tu as pour la vie de l'oiseau. C'est pas de ça qu'on a fait les parler. On ne parle pas de caillou. C'est le développement du spermatozoïde qui devient l'être humain. Attends, on ne parle pas de caillou. Ce sont les termes qu'on utilise pour t'amener à comprendre comment l'homme se développe. Ce n'est pas caillou. Caillou de sang. Pour que le sang se transforme en caillot, il faut qu'il n'y ait pas, de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a eu coagulation. Le sang, chaque fois, circule. Lorsqu'il y a coagulation de sang, c'est-à-dire qu'on parle de sang, ça peut amener la mort cellulaire. Ça peut amener la mort cellulaire. Est-ce que je peux intervenir dans mon rôle de médiateur? Ça peut conduire à la mort cellulaire. S'il vous plaît, vous m'entendez? Le roi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Est-ce que vous m'entendez? Praline. On vous entend? Ok. Je vais recadrer un peu, d'accord? Et vous allez continuer, d'accord? Oui. Voilà. Donc, Inchallah. Comme le frère, le roi, il dit que le processus d'embryologie décrit par le Coran, un processus biaisé ou bien, je sais pas, il dit que c'est faux. Maintenant, comme c'est faux, essayez d'apporter, parce qu'on est, on utilise les miracles coraniques et les miracles scientifiques à la lumière de la Bible et du Coran. Donc, si pour le Coran est faux, alors montrez-nous pour la Bible, pour que dit la Bible sur l'embryologie. Donc, essayez pour que l'analyse soit équitable, en fait, d'accord? Si le Coran, ce que le Coran dit sur l'embryologie est faux, d'accord? Maintenant que voici ce que dit la Bible, et c'est comme ça qu'on pourra vous comprendre, d'accord? Moi, je suis juste là pour modérer, d'accord? Essayez maintenant d'apporter sur qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à l'embryologie, afin de montrer que pour le Coran est faux. Vous avez vu? Donc, et là, maintenant, tout le monde pourra vous suivre, ça serait clair pour tout le monde.
C'est Voilà, la donc question que je pose. C'est la question que je pose. C'est la question que je pose. je coupe mon micro, je vous laisse continuer. Vous voyez, c'est environ 3-4 minutes. Ah, ok. Est-ce qu'on peut remettre, puisque vous m'avez posé la question de démontrer. Alors, remettez mon erreur, s'il vous plaît. Non, c'est pas moi qui ai posé la question. J'ai pas posé la question. Moi, je suis juste là pour modérer. Je vous pose pas la question. Moi, je suis là pour modérer. Maintenant, s'il veut vous reposer la question, il vous repose la question. Moi, je suis juste là pour modérer, d'accord? Oui. J'attends qu'il revienne et je vais lancer le chrono et on va terminer sur ça, Inch'Allah. Vous êtes d'accord avec moi que selon l'analyse, si l'embryologie, de façon, par rapport à sa description, les étapes que le Coran mentionne, si cette étape ou bien ces étapes sont fausses ou bien ce processus est faux, alors il faudrait également apporter qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça. Oui, parce qu'on utilise les deux livres. On veut voir entre les deux livres lequel vraiment a beaucoup de similitudes avec les miracles scientifiques. Donc, si pour le Coran est faux, il faudrait montrer pour la Bible en quoi pour la Bible est vrai. Ou bien pour la Bible aussi est faux. À vous de nous trouver. Ok, donc je relance. Donc, vous voyez, il est 17h49. Vous avez environ 3 minutes. Donc, je coupe mon micro et vous continuez. Donc, oui. Bismillah. Voilà. Oui. C'est la question que j'ai posée. J'ai dit ceci. Comme Allah dit dans le Coran, qu'il a créé Adam de l'argile, il a tiré sa descendance. Écoutez bien. Il a tiré sa descendance d'une goutte de sperme, le spermatozoïde. Ensuite, le spermatozoïde devient ce qu'on appelle le halaka, un caillou de sang. Ainsi de suite, ça se développe quand ça devient un être humain. Comme il dit, c'est faux. C'est une processus qui est fausse. Qui me montre dans la Bible comment la descendance d'Adam fut. Comment Dieu a créé la descendance d'Adam avec ces détails que le Coran a donné, que lui dit c'est faux. Je veux ces mêmes détails-là dans la Bible pour que lui me donne les vrais détails à partir du spermatozoïde. Moi, j'attends sa réponse. Oh, ok. Ok, on peut remettre mon écran comme ça. Je vais afficher mes versets bibliques. Ok. Nous partons dans le livre de Job. Job au chapitre 10. Job au chapitre 10. Nous allons voir ce que la Bible nous dit dans Job au chapitre 10. Hein? Oui, puisque tout ce que le Coran a fait, puisque le Coran voulait tricher dans la Bible, tout ce que la Bible avait annoncé, les gens ont voulu copier dans la Bible. Hein? Tout ce que vous racontez là, la Bible avait déjà prédit ça. Dans Job au chapitre 10. Vous avez dit que c'est faux, non? Comment vous pouvez dire que le Coran a copié la Bible pendant que vous disiez que ce que le Coran dit est faux? Donc, ça veut dire que la Bible est fausse aussi. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le Coran a voulu copier et puis on a mélangé. Vous voyez? Voilà. Si tu prends la pensée okay. pure et puis tu mélanges tes pensées, ça devient déjà faux. Ça devient faussé. Écoutez. On attend. Écoutez. On attend la descendance. On attend comment la descendance d'Adam fut conçue. On attend ça. Le verset est là. Le verset est là. Verset 10 oui. au verset 10. Job 10, il dit ceci. N'es-tu pas coulé comme du lait? N'es-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau. La peau vient d'abord et de chair. De peau et de chair. Et après ça, tu m'as tissé des os. Tu m'as tissé d'os. Et les nerfs. Voyez-vous un peu le processus? Le os. Maintenant, composez-moi un peu ça, il va voir. Composez-moi un peu, il va voir. Composez-moi ça, il va voir. Composez-moi un peu ça. Il va voir si c'est la chair qui va couvrir les os, mais c'est les os qui vont couvrir la chair. Comme le Coran a dit ça, vous dites c'est faux. Composez-moi un peu ça, il va voir. Écoutez, ici, dans le Coran, on a dit ceci. On a dit que les os viennent et puis la chair vient après. C'est pas ce que le Coran a dit. C'est pas ce que le Coran a dit. C'est pas ce que le Coran a dit. Il faut demander. C'est pas ce que le Coran a dit. Entre la chair et les os, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Mais le Coran a bien spécifié qu'il y a eu d'abord les os et puis la chair est venue après. Donc, c'est comme si, que si le on Coran regarde, dit. On fait le scanner ou bien le ultrason. Si on cherche avec le ultrason, on va voir que le bébé est squelette. Il est squelette
Et puis la chair est venue après. C'est pas ce que le Coran dit. 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 Je voulais juste te montrer, mon frère, si on te parle des miracles du Coran, l'embryologie, on parle de Big Bang, tout ça, ce sont des théories qu'on peut te dire, mais tu ne peux pas prouver ça à la lumière des Écritures. Pourtant, je vous ai donné les versets. Les versets sont là. Les versets sont là. Écoutez. Non, non, écoutez. Toutes les théories que tu as données, ça ne tient pas debout, mon frère. Mais maintenant, le Coran parle. Si nous partons même dans les tafsirs, si on entre dans les tafsirs, j'ai beaucoup de tafsirs ici, mon frère. J'ai beaucoup de tafsirs. Je vous ramasse sur Google. Les tafsirs que vous ramassez sur Google. Moi, je vous ai donné des preuves dans le Coran. Dans le Coran. Attends. Allah parle ici. Attends. Je vais vous aider. Je n'ai pas ramassé. Écoutez bien. Écoutez bien. Depuis que je cause avec vous, je ne suis même pas rentré dans ni dans les hadiths, ni dans les tafsirs. Pourquoi? Parce que Allah est clair. Allah dit les cieux et la terre formaient une masse compacte. Ensuite, il les a séparés. Et c'est ce que les scientifiques sont allés découvrir. Ils sont venus nous dire qu'en réalité, les cieux et la terre étaient ensemble. Après, il y a eu l'explosion. C'est ce qu'ils ont appelé le Big Bang. Donc, ils ont confirmé ce que le Coran a dit. La Bible ne l'a pas parlé. La Bible ne l'a jamais dit. Vous ne pouvez pas le confirmer. De deux, Allah parle ici. Dit comment il a créé la descendance d'Adam à partir du spermatozoïde, ensuite, qui est devenu un caillou de sang, ensuite, qui est devenu une chair mâchée, ensuite, de cette chair mâchée, est sortie quoi? Allah maintenant va faire quoi? De cette chair mâchée, Allah donne maintenant des détails. Et à partir de là, il va revêtir ça maintenant de chair. Maintenant, moi, je vous dis, quand l'enfant se développe dans le ventre là, qu'est-ce qui se passe? La processus se passe comment? Allez-y voir les médecins, vous ne voulez pas. Qu'est-ce que la Bible a parlé de tout ce qui vient de citer? La Bible n'a pas parlé. Attention. La Bible n'en parle pas. Si, vous avez lu ici, si on, verset 10. Si, je pose la question. Si on va qu'est-ce qui couvre l'autre? Vous ne répondez pas. Si on va voir un médecin, c'est que tu dis médecin. Et, écoutez, il y a des scientifiques qui enseignent les médecins, qui forment ces médecins-là. Demandez aux scientifiques-là. Demandez aux scientifiques-là. Demandez-les. Écoutez. Les scientifiques n'ont jamais dit que le sperme fait 40 jours dans le ventre de la maman. On ne dit pas ça. On te dit que ce sont des processus. Ce sont vos tafsirs. Je te montre Courtoubi. Ça, c'est Courtoubi. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez? Le problème, ce n'est pas qu'est-ce que le tafsir dit. Qu'est-ce qu'ils ont découvert par rapport à ce que le Coran dit? Est-ce que vous comprenez même? Écoutez. Qu'est-ce qu'ils ont découvert par rapport à ce que le Coran dit? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Courtoubi a expliqué ça. Il parle de Noutfa. Il dit que les paroles, ça concerne l'embryon. Il commence à expliquer. Maintenant, ce que Courtoubi est en train d'expliquer ici, lui, Courtoubi, lui, ne fait qu'expliquer ce que Muhammad était en train d'enseigner. Maintenant, est-ce que les scientifiques ont prouvé ça? Ils ont prouvé quoi? Est-ce que ça a été prouvé? Est-ce que ça a été prouvé là? Même donc, la face se développe dans le ventre là. Est-ce que ça a été prouvé, oui ou non? Non, mais la science n'a pas prouvé ça. Puisque Muhammad. Oui. Mais j'étais lui ici. J'ai beaucoup de tafsirs, mon frère. J'ai beaucoup de tafsirs. On a vu, je t'ai montré là où Muhammad lui-même a dit que l'enfant lui fait 40 jours. Mais toi, tu as dit que non. Il n'a pas dit que l'enfant fait 40 jours. Il n'a pas dit que l'enfant fait 40 jours. Écoutez bien. Il dit 40 jours. Vous ne lisez pas. Il devient Alaka. Écoutez, Allah, le prophète Muhammad parle de. Il parle de. En fait, c'est un processus. Il y a 40 jours où ça devient ceci. Après 40 jours, ça devient ceci. Et puis de suite. Il y a un acteur de détails. Atterrissage. On doit entrer même dans l'embryologie maintenant. Laisse même parler de tout ça. Mais écoutez, c'est la science. Atterrissage, le frère, on va atterrir. La science, qu'est-ce que ça? On va atterrir. Donc, alhamdoulilah, oui. Rabbil alamin, le débat était houleux, le débat était chaud. Vous avez pu écouter la version de tout un chacun. À vous de prendre ce qui est bon et à vous de juger par rapport à ce qui a été dit. Donc, je vais donner rapidement au frère Leroy 2 minutes de conclusion et à vous la parole, cher frère Leroy, vous avez 2 minutes de conclusion. Allez-y, je remets le chrono en marche. Vous voyez, donc j'appuie et ça part. Allez-y.
OK. Nous, tout ce que nous voulons dire, nous voulons toujours montrer la puissance de la parole de Dieu. Puisque les gens de la science, la Bible nous dit dans Colossiens, comme j'avais dit l'écriture d'introduction, que tout en Christ, c'est là que se trouve tout le trésor de la science et de la sagesse. La science, ça vient de Christ. Maintenant, les scientifiques qui viennent là, eux, ils tentent, ils essayent d'expliquer. Et maintenant, nos amis musulmans, ils sont venus. Maintenant, comme ils voulaient contredire la Bible, comme ils voulaient mépriser Jésus. C'était ça le rôle de l'islam, des musulmans. Ils sont venus pour venir mépriser la parole de Dieu, mépriser Jésus. Et ils ont voulu tenter de nous montrer qu'il y a des miracles dans l'homme. Alors, nous avons examiné. Il y a une liste. Il y a à peu près, j'ai une liste là où il y a une centaine de miracles. On dit 101 miracles du Coran. 101 miracles scientifiques qui sont prouvés dans le Coran. J'ai travaillé ces miracles-là. Et il n'y a aucun miracle qui tient debout. Aucun miracle, que ce soit l'embryologie, que ce soit la cosmogonie, que ce soit donc l'astrologie, que ce soit tout ce qu'on vous a dit, mathématiques, tout ça, ça ne tient pas debout. Moi, je veux juste vous opposer à ce que Muhammad a dit, à ce que le Coran dit. Ça ne tient pas debout. C'est pour cela que mon frère s'est embrouillé. Il a dit tantôt, oh, le sperme fait 7 jours dans le ventre de l'utérus de la femme. Et puis, mais Muhammad lui dit que non, ça ne fait pas 7 jours, ça fait 40 jours. Tu es contredit. Et puis tu as commencé avec la théorie de Big Bang. La théorie de Big Bang, mon frère, il ne faut pas prendre de ça, puisque c'est une théorie païenne qui n'a pas de source, qui n'a pas de soubassement, mon frère. Il ne faut pas faire ça, puisque la Bible dit que le monde a été créé par la parole de Dieu. Atterrissage, atterrissage, atterrissage. OK, donc merci beaucoup, frère Leroy. Donc, le frère, vous avez... Je remets le compteur en marche et je remets le chrono en marche. Voilà, le frère Lidou, vous avez 2 minutes, je lance. 2 minutes. Allez-y. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cet échange fraternel qu'on a eu. J'espère que beaucoup ont compris là où le frère ne voulait pas y aller. Parce que s'il voulait aller là-bas, il va comprendre que la Bible n'a pas donné tout ce que je viens de citer là. La descendante d'Adam fut tirée du spermatozoïde et sur comment s'est formée, la Bible n'en parle pas. Hein? La Bible ne parle même pas de comment la terre et les cieux étaient ensemble et ça s'est dispersé. Et ça, c'est, il y a eu l'explosion comme les scientifiques ont appelé le Big Bang. La Bible n'en parle pas. Comme il sait que la Bible n'en parle pas, il veut dire que le Coran, ce que le Coran dit est faux, mais il ne peut pas contredire ça. Ça, c'est un. Je vous donne les éléments et je vous demande d'aller faire des recherches ou approchez vous-même des grands médecins qui vont vous en parler. Et si encore je viens ici, lorsqu'il vient de mentir sur moi tout à l'heure, moi je n'ai pas dit qu'à partir d'une semaine, le spermatozoïde devient l'embryologie même qui a eu descendance. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque le sperme sort de l'homme et ça rentre dans la femme, à partir d'une semaine, ce n'est plus le même spermatozoïde qui est sorti de l'homme. Ça commence déjà à changer. Et quand le prophète a parlé de 40 jours, moi il dit que c'est tout un processus. Quand ça sort de l'homme, 40 jours, c'est un caillou de sang. Mais à partir d'une semaine, ce n'est plus le spermatozoïde qui est sorti de l'homme. Donc, on lui confond. Quand on ne fait pas de 40 jours, ça devient un caillou de sang. 40 jours, ça devient la chair mâchée. 40 jours, c'est les vertus des déchets. Donc, le prophète est en train de donner des processus que lui, il ne comprend pas. C'est confirmé par qui? Par les médecins, par la science. Je vais vous donner les versets que vous allez aller lire à la maison, puis faire des recherches, vous allez comprendre. Coran chapitre 23, verset 12 à 14. Ça nous parle de l'embryologie, que la Bible n'en parle pas. Coran chapitre 16, verset 15, c'est là ça nous parle des montagnes. Coran chapitre 21, verset 30, ça nous parle de comment l'univers a été créé, comment ça s'est dispersé, confirmé par les scientifiques comme Allah dit. Sans les mécréants qui vont nous confirmer qu'en réalité, le livre que nous finons en mai, c'est rien d'autre que la vérité. Et je vais ici parachever sur les nuages, que quand Allah parle dans les nuages ici, c'est à partir des nuages qui fait sortir de l'eau. Coran chapitre 24, verset 43, mon temps est arrivé. Sinon, on va encore prolonger. Inch'Allah, mais qu'Allah facilite. J'espère que vous avez suivi. Shalom, shalom à vous, qu'Allah facilite à tout le monde. Ok, atterrissage, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ok, merci à vous tous, merci à tous ceux qui ont suivi le live depuis leurs positions respectives. Merci au frère Leroy, merci à notre cher frère Alidou de la BDR du Gabon. En tout cas, c'est l'islam qui gagne, musulmans, chrétiens, nous pouvons échanger. Peu importe nos divergences, nous ne sommes pas obligés forcément de faire accepter notre croyance à autrui, mais on peut quand même échanger. Moi, ce que j'aimerais dire, je pense que le thème n'a pas très bien été appréhendé par rapport à
au frère le roi. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu à plusieurs fois le frère Alidou avait essayé de lui expliquer exactement c'était quoi le thème. Parce que je vois que le frère, selon ce que j'ai vu, je vois que le frère le roi est en train de comparer le Coran à la Bible. Ouais, quand il dit l'embryologie selon le Coran, c'est pas vrai le processus, mais selon la Bible, c'est comme ça. Non, il ne s'agit pas de comparer la Bible au Coran. Non, mais de plutôt comparer les miracles scientifiques par rapport au Coran ou bien les miracles scientifiques par rapport à la Bible. Vous avez vu, c'est un peu ça. Je sais pas si ça n'a pas été très bien appréhendé selon moi. Donc, peut-être pour les prochaines fois, avec la permission d'Allah, si on revient sur les thèmes miracles scientifiques à la lumière du Coran et de la Bible, cela va consister à prendre un miracle scientifique ou bien un fait scientifique que la science a confirmé. Je vous l'ai dit, c'est clair, c'est confirmé, c'est vrai. Maintenant, vous prenez ce fait scientifique et vous allez montrer que ce fait était déjà prédit dans le Coran ou bien ce fait était déjà prédit dans la Bible. Donc, c'est un peu ça. Et non de comparer ce que le Coran dit par rapport à ce que la Bible a dit. Non, ce n'est pas ça, au fait, le thème. D'accord? Donc, en tout cas, je vous remercie. Vous avez écouté, vous avez compris, essayez de faire une analyse de tout ce qui a été dit, ce qui a été dit de bon, retenez-le, ou bien retenez-la. Et ce qui a été dit de mal, débarrassez-vous de ça, continuez vos recherches, et nous allons nous donner rendez-vous avec la permission d'Allah pour les prochaines fois. C'était le collectif DDR depuis le Bénin. Et shalom à tous les frères chrétiens qui nous ont suivis et salam alaikum aux frères musulmans qui nous ont également suivis. Donc avec la permission d'Allah, nous allons arrêter le direct. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix, sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur nos compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunnah ceci jusqu'au jour de la résurrection. Sur ce, béni soit l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salam alaikum à tous. Salam alaikum. Ok, shalom, chers frères et le roi. Ok, à la prochaine, shalom. Ok, à la prochaine, frère Ali Doumchala. Ok.